facile ici. Mesdemoiselles, je croyais vous avoir dit que cette table devait être dressée à cette heure. Désolée, madame. Désolée. Mais dites-moi, que signifie votre désolé là? Tout ce que vous devez faire, c'est de faire ce qu'il faut et arrêter de dire désolé. Maintenant, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ok, madame. Préparez tout, d'accord? La famille peut me tuer ici. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. C'est possible que je meure de faim, mon ventre est vide. Je crois que c'est fini pour moi. Alors, comment ça se passe ici? Comment prépares-tu le repas? Qu'est-ce que tu fais? Tu découpes les tomates, je vois. Qu'est-ce qu'il y a au feu? Madame, c'est le poulet. J'espère que tu n'as pas mis trop d'épices. Non, madame. Je te l'ai dit, tu dois faire très attention. Tu vois ce dîner? Il a été planifié depuis longtemps. C'est une sorte de réunion familiale, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Écoute, tu sais que ma famille va arriver, d'accord? Oui, madame. Je ne veux pas que tu épices trop le repas. D'accord, comme madame. Je te l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Oui, madame. Mais pourquoi tu as acheté pot d'oignon? C'est quoi ça? Je t'ai donné suffisamment d'argent. Désolée, madame. Tu aimes trop les petits trucs. La prochaine fois, achète de grosses. Parce que, regarde, quand tu auras fini de découper ça, il ne restera rien du tout. Et... à quoi est destinée la viande? Tu l'as découpée très finement. Madame, c'est pour la sauce. La viande pour le repas est encore dans la marmite. Et le poulet alors? Est-ce que tu as déjà fait bouillir le poulet? Madame, je le ferai. Tu as l'air très confuse. Écoute, ma famille va arriver. Et j'ai l'intention de bien les régaler. Tu comprends ça? Oui, madame. Donc, fais que ce soit succulent. Ne mets pas trop d'épices, compris? Oui, madame. Bon, je vais aller mettre les boissons dans le frigo. Le frigo de la salle à manger. Ai-je dit la salle à manger? J'oublie trop ces derniers temps. Le frigo n'est pas à la salle à manger. Mais je sais où il est. Je sais où le frigo se trouve. Ah, c'est frais. C'est frais, ma fille adore. Très frais. Pardon? Rien, madame. S'il vous plaît, vous n'avez pas des cartes de recherche de 1500 Naira? Non, mais j'ai celles de 500. Je vous les apporte? Non, je ne veux pas les cartes de recherche de 500 Naira. Pour les utiliser, c'est un problème. Je voulais ceux de 1500, 3 ou 4. Oh! Non, 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 je n'en ai pas. Maxwell? Mam? Es-tu en train de dormir ou quoi? Désolée, ma chère, merci. D'accord, madame. Au revoir. Okoro. Hey. Okoro, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quel genre de question ça? J'ai l'air de faire quoi là? Hein? Depuis ce matin, tu cuisines. On comprend même pas ce que tu es en train de cuisiner. Hein? N'est-ce pas toi qui m'as mis dans cet état? Figure-toi que depuis ce matin, j'ai déjà bu environ 4 sachets d'eau pour tremper la famine. Je suis en train de punir. Regarde mon ventre. On dirait une vache qui porte des jumeaux. Pas de problème. C'est pas grave. Je vais supporter. C'est pas possible.
Donc, comme d'habitude, tu as bu toute cette eau pour étancher ta soif? Non, je ne devais pas boire. Il fallait que je laisse sa famine me tuer. Hein? Il fallait que je crève de faim. Si je crève de faim, qui sera le chef de sécurité de cette maison? Mais, pour être honnête, je vais dire que tu sais cuisiner. Tu cuisines bien. Mon ventre, mes intestins me disent que c'est le risotto. Avec du poulet, la viande fumée et un bon poisson. C'est ce que tu cuisines. Tu sais que ce sont mes repas préférés, là. Écoute, Grace, tout le monde sur cette planète sait que tu sais cuisiner très bien. Tu sais, il est évident que Dieu t'a donné le don de la cuisine. Mais attends, je vais te dire un truc. Ne viens pas ici avec l'orgueil pour te prendre la tête. Ne parle pas comme tu le fais là. Tu comprends? Parce que moi, en tant que grand commandant, chef de force du portail, vous tous dans cette maison me devez du respect. Respectez-moi. Mm-hmm. Selon qui? Regarde-moi bien. Selon le grand commandant, chef des forces du portail. Vraiment? Okoro. Okoro, je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Je n'ai pas du tout ton temps. Mais laisse-moi te donner un petit conseil. Juste pour ton information. Ce n'est pas comme si je me souciais de tout ce que tu fais là. Personne ne mangera rien dans cette maison. Hein? Jusqu'à ce que les enfants et les petits-enfants de madame arrivent. Donc sache cela. Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Répète. Quoi? Qui a donné cet ordre? Non, c'est qui cet imbécile? C'est qui cet idiot? Ah. Qui a osé donner ce genre d'ordre? Que moi encore je ne m'attends... Non, jamais. Vas-y à la personne qui se trompe. Ok. Hey. Vous voulez tuer les gens? Hi. Okoro, on te nourrit trop dans cette maison. Donc maintenant tu as des ailes, c'est ça? Pas vrai? Tu as maintenant le culot d'insulter madame. Il n'y a pas de problème. Vu que tu insultes la femme qui te paye ton salaire, pas de problème. Laisse-moi aller lui dire ça. Non, hey. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne me touche pas. Qui suis-je? Non. Je sais pas que c'est madame qui a donné cet ordre. Je te jure que c'est vrai. C'est la vérité. Il n'y a pas de problème. C'est la vérité que tu as dit. Maintenant, madame te paye pour que tu lui dises la vérité. Laisse-moi aller à l'intérieur, l'appeler pour toi. Dès qu'elle arrive, tu l'affrontes et tu lui dis la vérité. Hein? Non. Grace, attends. Calme-toi. C'est interdit de blaguer avec toi. Quel genre de blague stupide? Je ne peux plus blaguer avec toi. C'est une blague que je faisais. Allez, Grace, ne te fâche pas. Ah, mais Christo! Allez, te fâche pas, s'il te plaît, d'accord? Te fâche pas. Que je n'aille pas transmettre le message? Non. Tu vas aller vider la poubelle? Oui. Laisse-moi t'aider. Allez, donne-moi. Tiens, ça. Va je sais pas. Donne-moi ça. Remets-le-moi. Donne-moi ça. Ah, c'est quoi tout ce chahut? Hein? Ne vous ai-je pas dit que je ne veux pas entendre vos voix? Ne vous ai-je pas dit que je ne veux entendre la voix de personne? Mais, maman, elle discute le téléphone avec moi. Je suis la seule personne censée jouer avec ce téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je te le demande, qu'est-ce que tu veux dire? Mais, maman, pourquoi c'est toujours Junior qui joue avec le téléphone? Est-ce que t'es obligée de jouer avec tout ce qu'il joue? Hein? Si tu ne peux pas prendre soin de ton petit frère, alors ça sert à quoi d'être l'aîné? On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche toi. Chérie... Ils sont justes. Ekene, pardon, ne t'en mêle pas. Tu m'entends? Ne t'en mêle pas du tout. Quoi? Où est ce téléphone? Donne-moi très vite ce téléphone. Je vais encore te voir le toucher. Ekene, s'il te plaît, je te l'ai dit plusieurs fois. Arrête de leur donner ton téléphone. À chaque fois que tu leur donnes ton téléphone, ils se mettent à bagarrer et ils ne cessent de me casser les oreilles. Pardon. Voilà ton téléphone, ne leur donne plus. Et vous là-bas derrière, si j'entends encore ping, si j'entends encore le moindre bruit ou son là-bas derrière, je vais couper la tête d'une personne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la seule femme à avoir fait des enfants? Suis-je la seule femme à avoir fait des enfants et je ne peux pas me reposer? Vous voulez me rendre dingue? Que j'entende encore le moindre bruit, même en sang. Si je ne coupe pas la tête de la personne, c'est que c'est pas moi. Qui a dit que quand on fait les enfants, on ne peut pas être en paix? C'est même quoi cette histoire? N'importe quoi. Vous voulez me frustrer, mais vous allez échouer. C'est vous-même que vous allez frustrer. Mais je vais me venger sur quelqu'un. La personne dont je viens entendre le caquec ou alors la voix. N'importe quoi.
Maman. Dorcas. Maman. Quoi de neuf, mamie? Ça gasse? C'est à moi que tu parles. Ouais, c'est à toi que je cause. Ça gasse, la vieille. Qu'est-ce que je fais? Comment oses-tu? Mamie, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me frappes si fort? Et je te frapperai encore. Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne connais plus le respect. Avec tes écouteurs, tu n'entends plus. Tu me traites de vieille. Tu es vraiment stupide. C'est évident que ta mère ne t'a pas bien éduquée. Parce qu'il est inadmissible que tu arrives chez ta grand-mère et que tu te comportes de la sorte. Maman, je suis désolée. Et je suis très contente que tu lui dises ça maintenant au bon moment. Maxwell, que tu vois là, est devenu une épine dans mon pied. J'essaie de l'éduquer de la meilleure des façons, mais il rend tous mes efforts complètement vains. Maman, tu sais, ce n'est pas dans notre sang, je ne me comporte pas comme ça. Parce que ce n'est pas de cette façon que je vous ai élevé, tes frères et toi. Voyons, si je t'avais élevé de cette façon, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Et toi, jeune homme, tu dois apprendre à bien te tenir. Mamie, je blaguais seulement, je n'étais pas sérieux. C'est pour ça que tu me frappes si fort. Oh oui, et je te giflerai encore. Jusqu'à ce que tu apprennes à ne plus faire de telles blagues à ta grand-mère. En passant, grand-mère, ta main est très dure. N'est-ce pas censé être tendre avec le temps? Ça, c'est notre héritage. Ça ne vieillit pas. C'est la main qu'on utilise pour te donner une claque. Quand tu le mérites. Maman, c'est bon. Au moins, il a appris la leçon. Tu sais que c'est allez, ton petit-fils. Allez, fais-moi un câlin. Allez, excuse-toi. Viens ici. Mamie, je suis désolée, ok? D'accord, je ne devais pas me gifler aussi fort. Si tu apprends à bien te comporter, allez, prends ça. Mamie, fais attention avec maman, ça. Maman, j'espère que tu ne les as pas jetés. C'est vraiment très cher. Non, je les ai. D'accord. Au moins, maintenant, tu peux m'entendre. Maintenant, tu peux m'entendre. C'est bon, allons à l'intérieur. Ah, maman, tu mamie, nous as je suis contente de te revoir. Vous m'avez aussi tu nous as tellement manqué, tu sais. Tu vois, tu es très allez, belle. Entre vite à l'intérieur. Allez, vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est très belle. Pas avant moi. D'accord. Laisse-le ouvrir la porte. Allez-y, entrez. Ses enfants. Ah! Il fallait voir. Vous avez vu ses enfants? Il ne l'a pas encore montré qu'il a déjà commencé avec des pitié de lui. Allez, madame l'a bien remis à sa place. Je ne vous dis pas. Il est dit en mode genre, yo, yo, yo. La gifle qu'il a reçue. C'est comme si. Waouh, mamie, ta maison est très belle. Mamie, ta maison est vraiment belle. Que faites-vous ici, les filles? Hey. Vous ne gardez pas les valises. D'accord, désolé, madame. Mamie, tu envoies ces jolies filles au marché? Ta maison est très belle, mamie. Tu es aussi très belle, mamie. Tu sais? Bien, mais vous deux, descendez, non? Ou vous êtes aveugles? Vous ne voyez pas qu'on est arrivé? Hein? Vous voulez d'abord que je bavarde? Sortez de là, sale cafard! Ah ah! Vous aimez seulement que je bavarde? Dépêche-toi, espèce d'andouille! Vous ne pouvez pas bien vous comporter? Ah ah! Vous aimez quand je suis toujours en train de bavarder? Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ne crois-tu pas que tu es trop dure avec ces enfants? Oh, maintenant je suis dure! C'est moi qui suis dure! Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Tu veux me rendre mauvaise. Aux yeux de mes enfants, tu veux me rendre méchante. Pour qu'ils puissent te voir, toi, comme une bonne personne. Alors que moi, je suis le diable. Respecte-toi. Que tout le monde respecte son âge maintenant, Biko. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est même quoi ton problème? Tu croyais que tu avais laissé cette colère et agressivité inexpliquée à la maison? Tu n'arrives pas à croire que tu as amené cela dans la maison de ta propre mère. Est-ce que c'est dans la maison de ta mère que je l'ai apporté? Hein? Écoutons, je veux m'exprimer. Peu importe où je suis ou alors avec qui je suis, tu m'as compris? Que tout le monde se respecte ce soir. Respecte-toi, respecte-toi. Je ne veux pas qu'on entende ma voix. Respecte-toi. Je ne veux même pas bavarder.
D'ailleurs, j'allais oublier. Où est cet imbécile de gardien? Viens ici, viens ici. Viens ici, imbécile. Viens, espèce d'idiot, viens là. Pourquoi tu as attendu qu'on klaxonne trois fois avant d'ouvrir le portail? Je mangeais. Hein? Je mangeais. Tu mangeais quoi? Bouge quand je parle. Moi, je te parle et toi, tu me dis que tu mangeais. Écoute, tout le monde doit se respecter aujourd'hui. Tout le monde. Je suis là-haut et je ne tolérerai les bêtises de personne. Je te le redis. Madame. Respecte-toi. Madame. Allez, dégage. Désolé, madame. Regardez-moi à quoi ils ressemblent. Madame. Idiot. Désolé. Hey, où est-ce qu'ils sont? Allô? Ok, d'accord. Puis-je te rappeler après? Je suis un peu occupé, là. D'accord. Bye. Félix, qui est-elle? Félix, qui était-ce? Ça ne te regarde pas, madame. Félix, j'exige une réponse. Avec qui étais-tu au téléphone? Je n'ai aucune explication à te donner. Tu n'as aucune explication à me donner? Comment oses-tu? Qui était-ce? Qui? T'es malade? Tu veux nous tuer ou quoi? Tu es folle ou quoi? Tu es malade? Hein? Tu es devenu cinglé? Attends, t'es malade? Tu veux nous tuer? Quoi? Tu veux nous tuer? Quoi? Si tu avais répondu à ma question, ça ne nous serait pas arrivé. Écoute, je te supplie, au nom de tout ce en quoi tu crois sur cette terre, si tu veux te suicider, ne mêle pas ma fille et moi dans cette histoire. Idiot! Non, si je ne te réponds pas, essaye encore ces bêtises. Comme. Si tu sais ce qui est bien pour toi, entre dans cette voiture tout de suite. Avec tes larmes de crocodile. Allô? Félix, que se passe-t-il exactement? Où es-tu? Tes sœurs sont ici avec leur famille. Et c'est toi qui manques à l'appel. Écoute, le déjeuner est servi et c'est vous qu'on attend. On est en chemin, on arrive. S'il te plaît, les enfants enfin. Et tes sœurs ne sont pas du tout contentes. Dépêche-toi d'arriver, ok? On t'attend. D'accord, à tout à l'heure. Bye. Votre frère s'excuse, il sera bientôt là. Tu veux entrer, s'il te plaît? Je pense que je t'ai dit que toute la famille nous attend. Si tu sais ce qui est bien pour toi, entre et on y va. Si j'entre dans cette voiture, je vais te laisser ici. Je ne blague pas. Si j'entre dans cette voiture sans toi, je vais te laisser. Ok, tente-moi. Tente-moi bien. Voyons, mamie, c'est quoi ces traditions et ces coutumes dans cette maison? Devons-nous attendre qu'ils viennent avant de manger? Tais-toi! J'ai tellement faim, je ne peux pas attendre qu'ils viennent avant de manger. J'ai dit tais-toi! Mamie, sors mais ma mère sait que je ne blague pas avec mon ventre. Sérieux, il doit vraiment dégage, se dépêcher. Qu'il se dépêche. Va-t'en! Mamie, moi je m'en vais. Je vais prendre un peu d'air. Avec sa grosse tête d'insolent. Idiot. Désolé, les enfants. Est-ce que ça va bien? Oui, grand-mère. On va bientôt manger. Allez à la cuisine vous laver les mains. D'accord.
Mon piment Yoruba. Tu prends vraiment très bien soin de mon fils Félix. Et de ton adorable princesse. Et chez maman. Et chez oh. En passant, fiston, est-ce qu'elle te nourrit encore avec ce repas super épicé qu'elle cuisine souvent pour toi? Elle me sert des trucs pires que le piment. Vraiment? Je me demande ce que c'est. Voilà, je savais très bien que mon nez ne me trompait pas. Mon nez ne peut pas m'amener là où il n'y a pas de nourriture. Mamie, tu es la meilleure. J'adore cette merde. Hein? Tu viens de traiter mon repas de merde? Voyons, mamie. N'emploie plus jamais ce mot à table, ok? C'est très irrespectueux. Désolée, maman. Grand-mère? Oui, ma puce. J'adore ce repas, mamie. Grand-mère, cette nourriture est trop délicieuse. Oh, wow. Tu m'as manqué, grand-mère. Moi aussi, grand-mère. Le repas est délicieux. Wow. Vous avez tous fait ma journée. Merci beaucoup. Pas comme certaines noix de coco que je connais. Les enfants, écoutez. On ne parle pas à table. Taisez-vous et savourez votre repas, d'accord? Oui, grand-mère. Bien. Mais maman ne nous a jamais appris ça. Maman ne vous a jamais appris? À vous taire à table. Ce n'est pas grave. Grand-mère vous l'a appris maintenant, ok? Grand-mère en sait plus que maman. Compris? Sœurette, comment va le boulot? Au fond, la façon dont je vois les choses, il y a des problèmes dans cette maison. De sérieux problèmes. Des problèmes qui sont très graves. Regarde. Moi, je reste ici haut. Je ne vais aller nulle part. Je reste ici là. Toutes les choses qui se passeront dans cette maison, moi, je suis raison, ici ma à les regarder. Tu as raison. À les observer. Si le Seigneur veut qu'il crache le feu, moi, je suis ici. Je n'irai nulle part. Non, on ne va aller nulle part. On reste ici. On reste là. Je suis là. De quoi devons-nous en train de parler là, toutes les deux? Hein? Tout le temps dans cette maison, commérage à gauche et à droite. Vous n'êtes pas fatigué? Bande de commères. Et en quoi est-ce que ça te concerne? Ah mais bon, qui t'a appelé ici avec ton gros ventre? Je n'ai même pas ton temps. Pardonne-moi, ma chère amie. Dis-moi, où est passé Grèce? J'ai très faim. Elle était ma faim, je peux même mourir. Okoro. C'est mon nom. Donc, comme tu es là, tu ne peux pas te servir dans cette maison? Tu attends que quelqu'un te serve la nourriture tous les jours. Tu ne peux pas t'aider toi-même, hein? Tu ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui? Tout le monde court partout. On monte, on descend, parce qu'on sait que les enfants de madame arrivent aujourd'hui, hein? Tu as vu quelqu'un manger dans cette maison, hein? Je sais que tu n'es pas encore un homme, hein? Tu ressembles juste à un homme. Mais pardon, fais juste semblant d'être un homme, même un peu, pour une fois. Moi, le grand commandant en chef des forces du portail. Okoro, je te dis que j'ai faim, tu es là, tu me racontes des histoires, tu me parles grand français. Quoi? Laisse le grand français. D'ailleurs, laisse-moi te poser une question. La famine a un genre? La famine connaît les mâles et les femelles? Pardon. Écoutez-moi, j'ai faim. Arrêtez de m'insulter. Okoro, toi. Donc, tu pensais qu'Okoro était un homme? Attends, ne savais-tu pas qu'il n'est pas un homme? Attends un peu que il ne se comporte même pas comme un homme.
Tu ne vois pas de tes propres yeux. C'est vrai, oh. Attends, c'est une insulte, ça. Arrête de m'insulter. Est-ce qu'il se comporte comme un homme? Ne m'insulte plus. Arrête de m'insulter. Si tu m'insultes encore, tu fermes ta gueule. Si tu m'insultes encore, je te tue avec tes gifles. Pardon, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tout le temps, tu veux manger. C'est tout ce que tu sais faire. Me voici. Mange-moi. Mange-moi. Oh, yeah. Mange-moi. Tape. Grosse tête sans cerveau. Je ne mets pas ton temps. Dès que je remange, je vais m'occuper de toi. Oh, gars. Madame, chaque fois que je te vois, je suis en joie. Grécy, mon sauveur, tu es la meilleure personne ici. Ta maman t'a bien accouché, hein? Tu comprends ça? Ça suffit avec toutes tes bêtises. Viens manger. Je suis si bien. Tu veux manger, viens manger. Quand je te vois, mon cœur commence à danser. Viens, on y va, laissons ces sorcières. Bande de jalouses. Jalouse. Va chercher ta nourriture. Ça te ressemble. Oro et la nourriture. Okoro le mangeait. Tu ne vois pas comment il est fait? Seulement viens chercher ta nourriture et il a perdu la tête. Regarde comment il l'a fait. Faut qu'on lui donne la nourriture. Faut pas qu'un jour il tombe ici et s'évanouisse juste comme ça. Parce que sinon, qui lui donne la nourriture à temps? Quel est ce genre d'homme? La nourriture. Tu ne viens pas chercher ton plat? Il va même se marier. Moi je m'en vais. Manger. Tu as perdu la tête? Chérie, jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Jusqu'à quand? Ne m'as-tu pas assez puni comme ça? Oh, vraiment? Tu crois qu'il s'agit simplement d'une punition? Depuis, je dis d'autre. Tu t'éloignes de moi depuis. Tu me traites comme une parfaite inconnue. Même quand nous sommes ensemble, la distance entre nous est grande. Que puis-je faire pour faire marcher notre couple? Pas pitié. Écoute, ne me touche pas. Ne t'avise même pas de t'approcher de moi. Nous savons tous les deux pourquoi nous sommes sur ce lit. C'est juste formalité. Nous ne voulons pas que maman ou quelqu'un d'autre soit au courant de ça. Mais si tu choisis de les mettre au courant, très bien, je vais t'aider. Chérie, ce n'est pas ça. Ne m'appelle plus jamais par ce nom. Qui est ton chéri? Va l'appeler ton chéri. Comme je te l'ai dit, respecte-toi. Ne t'approche plus de moi. Arrête comme ça. Si tu me déranges encore une fois, je te laisserai seul dans cette chambre. Que veux-tu que je fasse? N'importe quoi. Tu vas devoir me tuer pour avoir la paix, parce que je ne peux plus supporter ça. Pitié. Ne t'approche pas de moi. Tu devras me tuer pour avoir la paix. C'est même quoi ça? N'ai-je pas assez souffert? Ne m'as-tu pas assez puni comme ça? N'est-ce pas assez suffisant? C'est trop insupportable. Il est évident que tu veux que tout le monde soit au courant. Très bien, je vais t'aider. Ne t'approche plus de moi! Bébé. J'ai dit, ne t'avise plus de me toucher! Je te prie pour la dernière fois. Ne t'approche plus de moi. Tu es désolé? Tu es désolé, n'est-ce pas? Étais-tu désolé quand j'ai tout vu? C'est ce que tu crois? Que dès que tu me dis que t'es désolé, je vais tout oublier? Je te préviens. Ne t'approche pas de moi. Pitié, que veux-tu que je fasse? Dis-moi quelque chose. Stupide. Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, calme-toi. Calme-toi. Regarde comment tu as placé ton postérieur. Ton derrière est bien, tu vois. J'ai juste voulu toucher un peu. Je ne l'ai pas touché, j'ai juste... Tu es vraiment touché.
Tu es bête, tu es fou. Désolé, désolé, ne te fâche pas. Ta mère va te frapper. Il va frapper ton père, ta mère et toute ta génération. Sans te mentir. Un minute, là. Ton derrière. Qu'est-ce qui se passe? Allez, va là-bas. Chef de la sécurité, qu'est-ce qui se passe? Makara, que se passe-t-il? N'est-ce pas cet idiot d'Okoro? Okoro a l'audace de frapper mes fesses. Hein? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Cet imbécile d'Okoro ne me respecte plus dans cette maison. Des gifs de gauche à droite. Pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que tu ris? Je te dis qu'Okoro m'a claqué les fesses et tu te mets à rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Makara, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Tu n'as pas vu quand je l'ai giflé pour toi? Hein? Tu veux aussi que je pleure pour toi? Juste parce que j'ai touché tes petites fesses, vous êtes la même frappée toutes les deux. Regarde, le jour où tu vas encore faire ça, hein, je vais te tuer. Hein? Juste parce que j'ai touché tes fesses qui sont petites comme une galette de... Tu parles encore des bonbons? Une galette de Saint-Naira. Hein? Ça n'a même pas la taille d'un beignet de Saint-Naira. Pas de problème. C'est ton tour aujourd'hui. Demain ça sera ton tour. Je m'en vais. C'est oh, moi qui vous si ça. Moi, le chef. Allez, dégage de ma vue avant que je te chiffre. Je vous attends. Si tu essaies encore ça, je vais te tuer. Je vais te tuer, tu vas voir. Si tu essaies ça avec moi... Hey, je suis une fille Kalabao. Ne t'amuse même pas avec moi. Ne joue même pas avec moi. Essaye. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois qu'il va encore faire ça, je vais lui régler son compte. Un pauvre imbécile. N'importe quoi. Il ose me claquer les fesses. It's gonna be a holiday with grandma. Yeah, let's spend this holiday with grandma. We spend the days holiday with grandma. Bye, so get ready for the drama. No matter what to do, grandma got her eyes on you. It doesn't matter. Je t'ai vu. Crache-moi ça. C'est à moi que tu t'adresses? Oui, c'est à toi que je parle. Je t'ai observé. Et je t'ai vu en train de voler la viande de ma grand-mère. C'est dans ta bouche en ce moment. Attends. Est-ce que tes parents ne t'ont pas appris à respecter tes aînés? Aîné? Tu n'es pas mon aîné. Tu n'es qu'une simple boniche qui travaille pour ma grand-mère. Écoute, si tu ne prends pas garde... Je lui dirai de te virer. Hey, Grace, tu souffres. Hey, c'est à moi que ce petit rat s'adressait. Hey. Ah, Grace, tu souffres. Désolé, maman. J'étais à la salle de bain. En fait, je suis allé me mettre à l'aise. Stupide! Que se passe-t-il exactement entre vous deux? Rien, maman. Ne me mens pas, Phoenix. Ne t'avise plus jamais de me mentir. Tu oses prétendre qu'il ne se passe rien. Maintenant, l'un d'entre vous peut-il me dire ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, maman. Lola, que se passe-t-il entre vous deux? Tu ne peux pas me dire qu'il ne se passe rien parce que hier soir, j'étais éveillée à minuit. Je vous ai entendu en train de vous disputer. Alors dis-moi exactement ce qui se passe, Lola. Maman, rien du tout. On était en train de regarder la télé. Vous regardiez la télé? Vous êtes déjà des acteurs ou quoi? Je vous ai entendu vous quereller. Donc tu oses t'asseoir ici, Lola, pour me mentir tous les deux? Que se passe-t-il exactement parce que vous ne regardiez pas la télé? Vous étiez en train de vous crier dessus. Félix? Maman, je viens de te dire qu'il n'y a rien du tout. Peut-être que Lola que voilà a quelque chose à te dire. En ce qui me concerne, je n'ai rien à dire. Si tu veux bien m'excuser, je vais dans ma chambre, s'il te plaît. Tu n'es pas excusé. Maman, par pitié, tu peux lui parler.
D'accord? Moi, je n'ai rien à dire. Désolée. Lola. Je sais que tu peux me parler. De femme à femme. Dis-moi exactement ce qui se passe. Si tu ne me parles pas, je ne pourrai pas vous aider. Ça, c'est ce que j'appelle une réaction bizarre. Au lieu de me dire quel est le problème, les deux mots t'en touchent. Que se passe-t-il ici? Comment puis-je les aider à résoudre le problème? Les enfants de nos jours. Il y a forcément un truc qui cloche. Stupide? Tu es malade? Pourquoi est-ce que tu me lances la balle? Ne touche pas notre balle. Attends, tu réponds quand je te parle? On ne t'a pas appris le respect? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfant mal élevé? Laisse notre ballon ou je dirai toi, grand-mère. Tu vas fermer ta bouche? Laisse-moi. Regardez-moi cet enfant mal élevé, oh. Si je te gifle. On ne t'a pas appris le respect? Tu es stupide? Je vais dire à grand-mère la façon dont tu me traites. Tu vas quitter cette maison. Et en plus, elle me menace. Destiny. Ma jolie destinée. Ne t'en fais pas, je veux t'acheter le bonbon, ok? Pas besoin de dire l'autre si à grand-mère, hein? Ne t'en fais pas pour mon amie, c'est comme ça qu'elle agit quelquefois. Oh, femme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Au lieu de lui dire que ce qu'elle fait n'est pas bien, tu l'as supplié cet enfant mal élevé. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de me manquer de respect devant elle? Désolée, continuez. Angela. Attends-moi, non? Quoi? Tu veux perdre ton boulot? Regarde, je ne suis pas prête à perdre mon boulot. Je ne suis pas prête. Tu sais que cette petite fille qui a la bouche qui fait... Elle peut aller raconter des histoires maintenant et dire à grand-mère et on va nous chasser d'ici. Tu sais que tu es une femme de ménage. Elle, c'est la petite fille. C'est la petite fille de la maison. Et puis quoi encore? Écoute, madame est une femme très disciplinée. Et elle ne va pas croire aux paroles de cette petite destinée. Ah, et le plus énervant dans tout ça, c'est que tu m'as manqué de respect devant ces gamines, devant ces petites filles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Makara, j'essayais de te sauver de plein de problèmes. Tu sais que tu aimes les problèmes. Tu sais t'exprimer, tu as tout le temps pour t'expliquer. Mais j'essayais simplement de te sauver. Me sauver de quoi exactement? C'est déjà la fin du mois, oh. Je ne veux pas qu'on supprime mon salaire. Oh! Maintenant, je comprends. C'est à cause de l'argent que tu étais gentille. Tu as laissé ces fillettes pourries gâtées m'insulter à cause de l'argent. Oh, Loshi, je sais que tu aimes l'argent. Tu adores l'argent. Toi, je sais que tu n'aimes pas l'argent. Je sais, mais moi j'aime l'argent. Je suis une teen fille là-bas. J'aime l'argent. Donc tu vas aller te mêler à cette petite destinée et te quereller. Hein? Pardon. Laisse-moi d'abord prendre mon salaire avant que vous ne commenciez à vous quereller, ok? Va suivre cette petite fille, chamaille-toi avec elle, ok? Je ne t'en veux pas. À cause de l'argent, tu as laissé que cette petite fille me manque de respect. Qu'elle me manque de respect.
Hey, toi. Excusez-moi. Tu es très bonne, toi. Que voulez-vous dire, monsieur? Tu sais ce que je veux dire, hein? Ne me touchez pas. Es-tu une gamine? Allez, ma belle, laisse-toi faire tranquillement. Ah. Je ne vois rien. Toi aussi. Alors, hein? Vous en voulez? Ça vous a plu? Cette piole est remplie de superbes jeunettes, piquantes et charnues. Je vais bien m'amuser ici. Hey! Ce sont mes yeux qui ont mal vu, ou bien c'est vrai? Attendez. Tu as vu ça? Ce garçon m'a claqué les fesses. Ce petit garçon a osé me claquer les fesses. S'il te plaît, je l'ai vu. Je n'ai pas besoin de détails. Et pour ton information, cet idiot m'a fait pire que ça. Tu n'es pas sérieuse. Ah. Hey. Ce garçon, c'est comme s'il n'a pas toute sa tête. C'est parce que nous sommes dans la maison de grand-mère, sinon... Je jure Dieu, j'allais utiliser... J'allais casser sa tête. Maintenant, tu bavardes. Quand il t'a touché les fesses ici, tu n'as rien dit. Ouais. Seigneur Jésus. Non, tu devais m'aider à dire quelque chose. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à dire quelque chose? Tina. Pardon. Que signifie tout ceci? Pourquoi tu fais ça? Mais comment me refuses-tu l'accès à quelque chose que j'ai payé? Monsieur, je suis fatiguée. Très très fatiguée. En fait, on va le faire demain. Non. Il n'y a pas de demain. On doit le faire cette nuit. Que signifie tout ça? Pourquoi me refuses-tu l'accès? Quelque chose que j'ai payé sans aucune raison. Pourquoi? Je rêve ou quoi? En fait, dans le fait qu'une femme soit fatiguée n'est pas justifiable. Hein? Sais-tu ce que c'est que d'être la mère de ces deux enfants? Sais-tu à quel point je suis épuisée? Et alors? Et alors? Tu t'entends même parler? Écoute-toi juste parler. Madame, on parle de deux grands enfants ici. Et tu donnes l'impression que tu les allaites encore. Qu'importe ce que tu racontes. C'est ton problème. Eh bien, je m'en fous. En fait, peu importe comment tu choisis de prendre ça, et peu importe comment tu choisis de percevoir ça, je m'en fiche, c'est ton problème. J'ai dit ce que j'avais à dire. Point final. Je suis fatiguée, et je ne suis pas d'humeur pour le sexe. Alors, point final. Non. Je suis d'humeur pour faire ça, et tu vas le faire. C'est ton devoir. Tu dois me le donner cette nuit. Ça veut dire quoi? Et c'est ton problème. Est-ce que tu vas me violer? Je le ferai. Si tu persistes, je le ferai. Je le ferai. Hey, mon œil, essaye. En fait, je te défie. Non, je ne te défie pas. Je te défie doublement. Essaye, on va voir. Tu ne me connais même pas. Quelque chose que j'ai payé? Essaye. Tu as payé quoi? Mon corps? Viens là. Viens, ne me touche pas. Ah! N'importe quoi. Jésus. Non. Ah! Viens chercher. Non, viens chercher. Jésus-Christ. Aïe, Jésus. Ah. 5 années, c'est très long. Tu dois avancer dans ta vie. Je veux dire, regarde-toi. Tu es belle, tu es forte, tu es une bosseuse. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Maman. Je n'ai pas besoin d'un homme. Oh, je t'en prie. Et je te l'ai déjà dit d'innombrables fois, mais tu ne fais que me ramener cela. Ah, c'est parce que je sais que tu as besoin d'un homme. Crois-tu que rester seule, c'est ça qui ramènera ton mari? Il est parti et il n'y a rien que tu puisses faire par rapport à ça. Tu dois continuer à vivre ta vie. Ok, maman. Tu sais ce qu'on va faire. Je ne suis pas prête pour ça maintenant. Quand je serai prête, je te le ferai savoir.
maman tout ce dont j'ai besoin maintenant. C'est la force. J'ai besoin de force pour élever mes enfants. Oh, en parlant de tes enfants, que se passe-t-il avec Maxwell? Quel genre d'éducation donnes-tu à Maxwell? Ce garçon est perdu. Maman, pourquoi parles-tu toujours comme si ce garçon fait des choses terribles? Maman, est-ce que tu réalises que Maxwell n'a que 20 ans? Il n'a que 20 ans? Oui. Ce n'est plus un gamin. Écoute, Maxwell est assez vieux pour pouvoir prendre ses responsabilités. As-tu déjà oublié que ton père m'a épousé à 22 ans? Quelle est la différence entre 20 et 22 ans? Tu dois faire quelque chose parce que tu es la seule à pouvoir redresser Maxwell. Oh, hey. Maman, oh. Je suis fatiguée. Tu n'es pas fatiguée. Maman, j'ai vraiment besoin de repos. Tu évites le sujet, n'est-ce pas? Non, maman. Mais maman, si je te laisse maintenant, tu vas continuer à répéter la même chose. Je pense que tu as besoin de te reposer. Maman, tu sais que je t'aime. Ma maman, tu dois te reposer, d'accord? Tu as besoin de te reposer. Passe une bonne nuit. Mais tu ne peux pas te cacher. Je t'aime. Tu peux toujours courir, mais tu ne peux pas te cacher. Elle va se coucher à quelle heure? Elle a vraiment besoin d'un homme. La coucher sur le dos. Écarter ses jambes. La rendre heureuse. Et l'aider à éduquer ce gosse de Maxwell. Félix, je suis fatiguée d'entendre ça. C'est exactement ce que tu m'as dit il y a des semaines maintenant. Et au son de ta voix, tu n'as encore rien fait par rapport à ça. D'ailleurs, quand est-ce que tu lui annonceras le divorce? Et pourquoi ça te prend autant de temps? Je suis désolée, Natacha. Ok? Mais tout ce que je te demande, c'est plus de temps. Donne-moi plus de temps et je te promets de le faire savoir à tout le monde. Tu peux me croire, je te le promets. Cela ne passera pas cette semaine. Ok? D'accord. Je te le promets. Je le ferai savoir à tout le monde. Oui. Tu sais que je t'aime et que tu me manques tellement. Bon, ce n'est qu'une question de temps et tout ça sera oublié. Je t'aime. Prends soin de toi pour moi, ok? Prends soin de toi, ok? Bisous. Bye. Oui. Je n'aime pas quand les petits-enfants de madame arrivent ici. Tu sais que, comme ils sont nombreux dans cette maison, c'est comme ça que ton travail est aussi beau. Je t'assure, je travaille trop maintenant. Makara, façon tu montes, tu descends. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait avoir le visage sombre? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as l'air confuse? Hey! Devinez ce que je viens d'apprendre à l'instant. Oh. Tu as commencé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as encore entendu? Je suis sérieuse, devinez. Dis-nous ce que c'est, s'il te plaît. On n'a pas de temps. Écoute, si tu n'as rien à faire, prends notre couteau et rejoins-moi. Aide-moi à couper ces carottes. Pas tant que je ne vous aurai pas raconté tout ce que j'ai entendu. Mais parle, non! Ah ah! Le fils de maman compte divorcer de sa femme. Hein? Tu dis quoi? Quand? Comment? Hé, hey, s'il te plaît, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est l'une de tes blagues ou quelque chose du genre? Je suis très sérieuse. Je suis vraiment sérieuse. Je l'ai entendu le dire à quelqu'un au
téléphone. Et d'après le ton de sa voix, je soupçonne que c'est la femme pour laquelle il veut divorcer de sa femme. Hey! C'est arrivé. Makara. C'est toi qui as commencé, Zhao. C'est toi qui as porté ce racon ici. Je suis sérieuse, je l'ai entendu moi-même. Ce n'est pas un mensonge. C'est vrai. Mais quel peut être le problème? Eh? Au fond, est-ce que tu as remarqué un truc entre eux? Je ne comprends pas. Non, mais je vois la façon dont il la traite. Peut-être, mais ce n'est pas censé amener au divorce, non? Hein? Ce n'est pas si grave. Cette histoire m'a choquée, oh. Quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. Hey. Seigneur, je me demande ce qui va se passer si madame apprend cela. Parce qu'elle ne supporte pas du tout le divorce. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ce n'est pas la guerre qui va arriver dans cette maison. Un peu comme celle de Russie et ce... avec qui ils se font la guerre. Et c'est comme ça qu'ils vont se battre. Brr, 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 brr. Et c'est comme ça qu'on va fuir. Qu'est-ce qui est drôle? Mais vous savez que... grand-mère n'aime pas ce genre de choses. Elle n'aime pas elle ça. Elle n'aime pas du tout pas ça. Pas du tout. Ah! Mais si cet homme avait une raison concrète de vouloir divorcer de sa femme, on ne sait jamais. Je suis sûre. C'est comme ça qu'on divorce de quelqu'un? Juste comme ça. Moi, trop chose, tu divorces. Ah, pardon. C'est ça qu'on appelle les problèmes pro-maxo. Prends un couteau. Viens découper ces carottes, s'il te plaît. Pardon, j'essaie encore de me remettre de cette... Madame, va chercher. Cette nouvelle m'a vraiment choquée. Mais bon, je vais découper les carottes. Ah, ah. Princesse, c'est quoi le problème? Tu ne manges pas? Tu n'aimes pas le repas? Je n'ai pas faim. Ah, ah, ah. Comment ça? Bah, tu m'as dit que tu avais faim il y a un moment. Oh, princesse, essaye de manger ton repas, d'accord? Grand-mère. Oui, ma chérie. Papa est toujours en train de faire pleurer ma mère, et je n'aime pas ça. Princesse. Non, ne l'interromps pas. Laisse-la parler. Princesse, tu peux parler à grand-mère, d'accord? Personne ne va te faire du mal. Ils ont des problèmes. Félix. Mon piment Yoruba. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un peut-il dire quelque chose? Hey! Grosse lololo! Grosse le cordon bleu! Grosse chef cuistot. Grosse, écoute, dans toute cette maison, tu es la seule et l'unique bonne personne que moi, Okoro, je connais. Et je te dis que si tu continues à faire du bien, c'est comme ça que tu vas briller. Tu es très gentil. Okoro, prends ton repas. Je n'ai pas le temps pour tes stupidités. Grosse lololo. Viens, Grosse, viens. Tu m'as juste servi un morceau de viande. Un homme comme moi. Grand commandant en chef des portes, tu portes et tu me sers un morceau de viande, moi, Okoro. C'est pas possible, Okoro. Combien de morceaux de viande est-ce que je devais te donner? Je suis un homme, un adulte, je suis un vrai homme. Écoute, toi et moi, ça montre très bien que la viande ne manque pas dans cette maison. La viande est en abondance dans cette maison. Ok. Donc, quand tu me sers de la viande, c'est pas un ou deux morceaux que tu me donnes. Tu comprends? Quand tu me sers de la viande, tu dois me donner beaucoup de viande. Afin que mon cœur soit rassasié de viande. Donc j'aurais dû prendre toute la viande de la maison et te la servir, juste à toi. Et alors? Ah, c'est pas bien de faire ça. Regarde le petit plat quand que tu me sers. Quand tu arrivais de ton village, combien de viande est-ce que tu avais apporté dans cette maison? Un grand comme moi. Viens, donne-moi. Laisse-moi, je vais aller te servir plus de viande. Tu ne veux plus de viande? Ça va. Espèce de gourmand. Merci, j'ai compris. Bien. Je pense que c'est le bon moment de parler de ça. Cracher quoi, Félix? Lola et moi allons divorcer. En fait, ça ne marche plus. Tout ce que tu vois là, maman, ce sont juste des formalités. Nous ne sommes plus en bon terme. Comment ça, divorcer?
Ouais, tu m'as entendu clairement. Donc vous faisiez semblant? Oui. On faisait juste semblant pour cette réunion. Rien ne marche plus. Notre mariage, il est mort depuis. Et c'est la vérité. Hey. Non. Maman. Lola. Mon piment Yoruba. Voilà la vérité. Félix, que se passe-t-il? Oublie tout ça, maman. Elle a juste honte. On faisait semblant, j'ai pour les formalités, tu vois, maman. J'essayais juste de rester cool, j'ai pour maintenir la bonne ambiance. Alors, pourquoi venir à cette réunion si ça ne marche plus? Tu sais quoi, mon fils? Ça doit marcher. Oui, on verra bien. Maman, maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Lola. Lola, s'il te plaît, ouvre la porte. Ta fille est en train de pleurer, tu ne peux pas lui faire ça. Lola. Lola. Lola, je t'en prie. Félix, tu peux parler de ça. Je suis sûr que cela sera résolu. Je ne veux pas parler de ça. Voyons, Félix. Je suis un homme comme toi. S'il te plaît, tu peux me parler. C'est pour ça que tu dois comprendre comment je te dis que je n'ai aucunement envie de parler de ça. C'est très clair. Sache que tu peux partager avec moi, si tu veux bien. Ok? Comme elle fait le désordre. Hey. Ah ah, petit Oga. N'aie pas peur. N'aie pas peur. T'ai-je dit à quel point tu étais jolie? Oga, laisse-moi, non? Arrête de me flatter comme ça. C'est quoi ton problème? Tu es une petite fille? Je vais le dire à madame. Écoute, tu n'as pas à te sentir flattée.
Tu sais, je te trouve très attirante. Hein? Tu es le type de femme que je veux. Je suis attirante, hein? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'attirant? Écoute, enfant. Tu me plais beaucoup. Je t'aime beaucoup. Ce n'est pas une femme, c'est ou femme. Dis ou femme, ou femme. En tout cas, une femme. Non, une femme, on s'en fiche. Ou femme. Une femme. Bien, tu as bien tu me plais, tu as bien... d'accord? Et tu es le type de femme que je veux. Laisse-moi juste explorer ce corps. Monsieur, laissez-moi, non? Je te promets, tu ne vas jamais le regretter. C'est juste ça. Viens. Non, je vais dire à ta grand-mère. J'ai peur. Regarde comment tu es, comme si tu étais... Pourquoi? Que se passe-t-il ici? Bon, tu apportes le verre, ok? Hé, hey, ça va? Oh, femme, Maka, que se passe-t-il ici? Il dit que je suis attirante. Je suis attirante comme ça? Attends. Qui te trouve attirante? Ne me dis pas que tu veux ces doses avances de ce garçon impoli. Est-ce que tu peux le dire en sa présence? Que j'aille l'appeler, que tu le dises en sa présence? Ah, pour qui est-ce que tu me prends? Je ne peux pas le lui dire en face. Alors, pourquoi le dis-tu? Écoute, je ne sais pas le genre d'idée que ce garçon a pris le temps d'injecter en toi. Ni même ce qu'il a pu te raconter, ok? Mais là, je suis en train de te conseiller comme une amie. Ne prends pas ce gars au sérieux. Mais il a dit qu'il m'aime, non? Ma chérie, ce garçon ne peut pas t'aimer. C'est un enfant de riche et toi, tu ne l'es pas. Ok? Écoute, je ne veux pas que tu commences ce que tu ne vas pas finir. Et je ne veux pas que tu commences à mal agir dans cette maison, parce que sinon, maman va te virer. Tu dois juste être concentrée. Ce garçon est un playboy. Il ne t'aime pas, oh. Il veut juste te coucher avec toi. Pardon, laisse-moi, je pars travailler. Tout le temps ici, tu passes ton temps à jouer à la dure. Regarde le petit garçon qui veut se jouer de toi. Laisse-moi, oh. Mon œil. Je ne partirai pas d'ici, tant que tu ne me parles pas. Vois-tu, je connais très bien mon fils. Et je sais bien qu'il n'opterait pas pour le divorce sans une raison concrète. Maintenant, je t'en prie, dis-moi, que s'est-il exactement passé? Écoute, mon mari et moi avons vécu pendant des années. Bien sûr, il y avait... des moments tristes, des moments de tension. Mais il y avait aussi des bons moments. Mais le divorce n'a jamais été une option. Et ça ne sera jamais une option pour mes enfants. Donc, je ne comprends pas pourquoi mon propre fils demande le divorce. Et regarde votre fille. Est-ce que tu aimes ce qu'elle endure? Elle en souffre beaucoup. Est-ce que c'est ce que tu veux qu'elle endure le reste de sa vie? Lola, il faut que tu me parles. Parce que c'est en parlant que je pourrais t'aider à résoudre le problème. Que se passe-t-il exactement? Je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas fait. Qu'est-ce que c'est que tu voulais faire? Bébé. Pitié, laisse-moi s'il te plaît. J'ai envie de dormir. Je sais, mais tu me manques. Attends, comment ça je te manque?
Peux-tu arrêter ça, s'il te plaît? Je t'ai laissé la chambre et tu viens encore me déranger ici? Chérie, tu ne m'as pas touchée depuis un mois déjà. S'il te plaît. Pitié, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi fais-tu comme si ta vie en dépendait? Nous pouvons le faire une prochaine fois, non? Comment ça? Ma vie dépend de ça. Tu es mon mari, pour l'amour de Dieu. Depuis quand c'est interdit de passer du bon temps avec mon mari? Écoute, écoute. Tu sais que mon boulot est stressant, pas vrai? Ce que tu fais là est mal. Je pars dans la chambre d'amis et je ne veux pas que tu y viennes. S'il te plaît. Je suis à manque de sexe. S'il te plaît. Félix. Allô? Pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Je suis désolé de t'appeler à cette heure de la nuit. Heureusement, tu as décroché. Monsieur, j'ai décroché ton appel à cause des circonstances présentes. Autrement, je n'aurais jamais décroché. Des circonstances, tu dis? Quelles peuvent être ces circonstances? Waouh, eh bien, ce ne sont pas tes oignons au lit. Ne m'appelle plus jamais à cette heure. Je suis désolé, comme je te l'ai dit, je suis désolé. Juste que je n'ai pas pu me contrôler. Tu me manques trop, Lola. À cause de tout ce qu'on a vécu ensemble. T'avoir vu hier a ravivé cet amour. Je t'aime. Coulez, coulez, coulez. Est-ce que tu vas bien? Tu es malade? As-tu oublié que je suis l'épouse de quelqu'un? As-tu oublié que je suis l'épouse de quelqu'un? Une mère. Coulez, s'il te plaît. Fais attention à tes paroles. Je sais ça, Lola. Mais voyons, ce n'est pas bien de refuser à un homme ce qu'il veut. Ou ce que son âme veut. Souviens-toi de ce qu'on se disait souvent. Ok? On n'est vécu qu'une fois. Et on en tire le meilleur. Mais tu racontes des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Même si j'ai dit un truc comme ça. C'est pourquoi qu'un minimum de décence n'a pas de respect. Kunle, s'il te plaît, je ne tolérerai plus que tu m'appelles à cette heure de la nuit, une fois de plus. Excuse-moi. Pitié, Lola. Pitié, ne raccroche pas. Pourquoi ne décroches-tu pas cet appel? Parce qu'il n'est pas important. Comment peux-tu dire que ce n'est pas important?
Ce téléphone m'appartient. L'appelant m'appelle-moi. Donc, quand je dis que ce n'est pas important, ça ne l'est pas. Mais cette personne ne cesse de t'appeler à répétition. Qui est-ce? Qui est Kunle? C'est quoi? Maman, je suis prête. Ah, allons-y. J'y vais. Décroche-t-elle pas ses appels? Elle avait l'air très mal à l'aise. Qui est Kunle? C'est qui ce gars? Je dois vraiment... arrêtez tout ça. Pourquoi je trouve subitement ma femme peu séduisante? C'est ma femme, hein? Ma femme bien-aimée que j'ai épousée. J'imagine que c'est dû au stress. Sûrement. Écoute, et écoute-moi attentivement, Kunle. C'est la toute dernière fois que tu entends ma voix. Mais avant ça, je vais te dire que je ne suis pas l'une des filles faciles dans la vie desquelles tu t'introduis. Kunle, je t'ai donné mon numéro croyant que tu avais déjà changé. Non, mais non. Tu es toujours la même ordure que j'ai connue il y a des années. Kunle, je ne te menacerai plus d'appeler ce numéro, car je vais te bloquer immédiatement. Bonne vie à toi. Excuse-moi. Lola. Lola. Tu m'as bloqué. Tu m'as crié dessus. Et m'as ensuite empêché de te joindre. Très bien. Comme tu veux la méthode forte, jouons le jeu. Non, je n'ai pas cherché ça. Je le fais tout de suite. Bien sûr. Attends une seconde. Oui, qui est là? Oh, entrez. Pardon, je te rappelle, d'accord?
Bonjour, madame. Vous avez appelé un plombier. Me voici. Et depuis quand es-tu devenu plombier? Depuis quand est-ce qu'un plombier doit faire face à des questions ou à des enquêtes? Je dois demander, car tu es chez moi. Eh bien, madame, je suis là pour réparer votre baignoire. Et je suis professionnel dans mon boulot. Je ne suis pas là pour montrer de la familiarité. De grâce, pouvez-vous m'indiquer le chemin? Tu as 20 minutes pour réparer ce qui est gâté et dégager de chez moi. 20 minutes vous coûteront plus cher. Je n'ai que 10 minutes pour faire ce que j'ai à faire. De grâce, pouvez-vous me montrer le chemin? Suis-moi. Chérie? Chérie? J'ai faim, chérie. Hé, chérie, t'es où là? Mais j'ai faim. Chérie, s'il te plaît, je te jure qu'il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. C'est Nogar qui est venu réparer la baignoire, rien de plus, je jure. Je jure, pitié, tu dois me croire, pitié, pitié. Il est venu réparer la baignoire? Directement sur notre lit conjugal. Non, chérie, je suis désolée. Tu te permets d'amener un homme sur notre lit conjugal? Chérie, pitié. Chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Pitié. Pitié. Je suis désolée. Chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. Chérie, je suis désolée. D'accord, j'arrive bientôt. Princesse, comment tu vas? Bien, papa. Bonjour, papa. Tu n'as pas encore fini? J'ai presque terminé. Ta maman, elle va te déposer? Maman va me déposer. D'accord. Chérie, ton repas est prêt. Merci. Oh, chérie, ne fais plus ça. Pourquoi ne cesses-tu de rejeter mes repas? Je t'ai dit de nombreuses fois d'arrêter de me déranger pour manger tes repas, car je ne les mangerai plus jamais. S'il te plaît, chérie. Ne me touche plus jamais. T'as perdu la tête? Papa, pourquoi me tu fais pleurer ma mère?
Demande à ta mère ce qu'elle a fait. Dommage qu'elle n'aura jamais le courage de te le dire. Maman, qu'as-tu fait? Dis-le-moi pour qu'on s'excuse. Va manger ton repas. Chérie, s'il te plaît. Viens dans la chambre, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, viens dans la chambre. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Chérie, s'il te plaît. Ne me supplie pas. Je t'ai dit que le lien entre nous a été brisé. S'il te plaît, je veux dormir. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Je n'ai rien fait, je te le jure. Je te le jure sur ma vie. Je n'ai rien fait, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. J'ai perdu la tête à un moment, mais je me suis ressaisie et j'ai essayé de le repousser quand tu es entrée. Tu as fini? Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu as fini, va-t'en, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Il n'y a rien eu. Va-t'en, s'il te plaît. Ne me mets pas en colère maintenant. Ne m'énerve pas. Je veux dormir. Crois-moi, par pitié. Pardon, Biko. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu le fasses. Sache que je serai toujours là pour toi, d'accord? Mais pour le moment, je veux juste qu'on se connaisse. En douceur, graduellement. Bien sûr, il faut entretenir le mystère. Exactement. Vraiment? Alors, que vas-tu faire exactement? Bisous, bye. Je sais que t'es vilaine. Tu me manques déjà, ma chérie. Maman, pitié. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Je ne veux pas perdre mon mariage. Maman, j'admets avoir fait quelque chose de très honteux. S'il te plaît, maman. Aide-moi, je t'en prie, maman. C'est bon. C'est bon, Lola, c'est bon. Je ne suis pas la plus sainte des femmes. Ce que tu as fait... est très mal. Par ailleurs, je le blâme aussi.
parce qu'il a contribué à ça. Vous ne seriez pas arrivé à ce niveau si vous n'aviez pas été plus prudent. Oh Seigneur, ces enfants. En tout cas, c'est bon, je verrai quoi faire. Je parlerai à mon fils pour essayer de résoudre ce problème. Car nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Merci. Merci. Ça va aller. Ça suffit, c'est bon. Tu fais partie de cette famille, compris? Ne t'en fais pas. C'est de la faute de cet homme. Je me demande vraiment ce qui lui est arrivé. Un agent du mal. Il doit souffrir pour ses péchés. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est le dernier jour que j'ai posé les yeux sur lui. Peu importe où il se trouve, un jour, il paiera pour ses péchés. Comment tu vas? J'ai cru que tu n'allais plus venir. Ah, je ne peux pas laisser une jolie fille comme toi. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes comme tu l'as dit? Pourquoi te mentirais-je? Tu es sûr? Je suis sûr. Je veux dire, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas aimer la fille qui m'empêche de tomber dans un piège? Depuis que tu m'as dit que ton ami a des MST. Oui. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour te protéger. Je tiens cela en estime. Hein? Tu sais qu'on a un long chemin à parcourir. Quand je partirai d'ici, hein? Je te ferai venir. Hein? Ouais. Ce n'est même pas possible. Quoi? Tu sais que je ne peux pas venir chez toi. Madame va me virer. Voyons. Tu n'en as pas marre de travailler comme servante ici, hein? J'ai des meilleurs plans pour toi, tu sais. Hein? Je te ferai venir. Je t'enverrai certainement dans la meilleure des écoles. Et je crois qu'à la fin, toi et moi, on se mariera. Voilà, c'est ça mes plans. Tu es sérieux? Tu vas m'épouser? Bien sûr. Ouais. Je suis contente. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Es-tu sérieuse? Je suis tout à toi. Oh, ma poupée, viens là. Monsieur, je vous apporte votre verre. Ouais. Tu t'en vas déjà? J'ai tout entendu. Je dirai à maman tout ce que j'ai vu et entendu. Shuma, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu venir, alors je t'ai suivi. Écoute, je suis ton grand frère, tu ne peux pas me suivre partout, ok? Tu me tourmentes dans tout ce que je fais dans cette maison. Je dirai à maman. Écoute, viens. Réglons ce problème comme frère et sœur. Tu sais qu'on est partenaires. Hein? Je t'achèterai tout ce que tu veux, n'importe quoi. Tu es sûr? Crois-moi. Tout ce que tu voudras, hein? Ne l'oublie pas. Es-tu sûr de me donner tout ce que je veux? Tu ne fais plus confiance? Dis-le-moi juste. Jure-le d'abord. Oui. Je dirai à maman. Voyons, on fait marcher. D'accord, attends, jurons-le tout de suite. D'accord, je te fais la promesse.
Angela? Ah, tu es réveillée. Je te croyais. Pourquoi est-ce que tu reviens dans la chambre à 7 heures de la nuit? Oui, madame. Madame m'a envoyé faire une course. Madame t'a envoyé faire une course? À 7 heures de la nuit? Je ne comprends pas. Est-ce que madame choisit souvent les heures dans cette maison pour nous envoyer faire quelque chose? Oui. En effet, c'est le cas. Toi et moi savons que dès qu'il est 23 heures, madame envoie tout le monde se coucher. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais elle a peut-être oublié parce qu'elle m'a demandé d'aller dresser son lit. Dresser son lit. Encore. Ça veut dire quoi, hein? Tu es sûre que tu dressais son lit? Quelle est cette stupide question? Je t'ai dit que maman m'a demandé d'aller dresser son lit. Pardon, ça suffit avec tes questions. Je veux dormir. Es-tu une villageoise? Ne vois-tu pas qu'ils dansent comme des bêtes sauvages? Mais où as-tu pris cette vidéo? C'est le téléphone de mon frère. Il me l'a donné. Mon père et ma mère n'aiment pas qu'on regarde ce genre de vidéos. Tu vas leur dire que je t'ai montré? Non. C'est mieux. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, donnez-moi ça. Donnez-moi ça sur le champ. Donnez-moi ça. Où as-tu pris ce téléphone? Est-ce que tu vas me répondre? Où est-ce que tu as pris ça? Grand-mère, c'est Maxwell. Maxwell? Maxwell t'a donné ça à regarder? Non, grand-mère. Il me l'a donné pour jouer des jeux et j'ai pris pour regarder ça. Tu as commencé à regarder ça. Tu as commencé à regarder ça. Et tu l'as montré à ta petite cousine, n'est-ce pas? Où est-il? Où est-il? Maxwell! 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 Tu vois ce que tu as causé? Je t'ai dit que ce genre de vidéo n'était pas bien, mais tu as refusé. Ne me blâme pas. T'ai-je forcé à regarder avec moi? Tu veux une gifle? Maxwell! 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 Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quoi? Mamie, je ne sais pas, je l'ai donné à Shoma pour jouer à son jeu vidéo, je ne sais pas comment ça fait pour arriver comment ici. Comment ça, tu ignores comment elle est arrivée là? Tu as des danses obscènes dans ton téléphone et tu dis que tu ne sais pas comment c'est arrivé là? Tu es stupide ou quoi? Tu donnes carrément ton téléphone à ta petite sœur et à Destiny pour qu'elle regarde. Tu es malade? Maman, maman, que se passe-t-il ici? Non, non, regarde ça. Regarde ce que ton fils a dans son téléphone. Hey! Vraiment, hey! Tu es trop stupide. Maman, je suis pas stupide. Je l'ai donné à Shoma pour jouer son jeu. Tu es très stupide. Tu lui as donné pour jouer. C'est quoi ce genre de bêtises? Ne savais-tu pas qu'en manipulant ton téléphone, elles arriveraient là-bas? Mamie, t'avais pas besoin de faire ça. Je sais pas comment elle a fait pour avoir ça. Donne-moi ce téléphone. Mamie, je garde ce téléphone. On n'arrivait là, je ne voulais pas. Es-tu stupide? On n'avait pas arrivé là. Tu cours? Non, mamie. Attends-moi là-bas. Maman. Je vais finir avec ça. Maman, maman. Maxwell. Maxwell, reviens ici. Maxwell. Maman. Écoute, ce n'est pas encore fini. Okoro. Okoro, attrape-le. Attrape-le. Que s'est-il passé? Okoro, je te dis de l'attraper. Pardon, maman, quoi? Es-tu stupide? Que je l'attrape, d'accord. Ne m'arrête pas, ne m'arrête pas. Je vais te frapper. Regardez-moi cet idiot. Maxwell! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Tu t'imagines? Maxwell, c'est quoi ton problème? Voilà. Voilà ce que Maxwell a apporté à la maison. Et les enfants, ta fille et sa cousine étaient en train de regarder ça. Quoi? C'est quoi ce genre de bêtises? Elles sont à l'intérieur. Okoro. Destiny! Chioma! Viens!
Ce n'est pas encore fini. Dépêche-toi. Tant que je ne l'ai pas décidé. Toi aussi, rejoins-la. Ah, ah. Comment osez-vous regarder ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qui vous a appris ça? Hein? Allez, levez les mains. Toutes les deux, levez les mains. Ne savez-vous pas que c'est mauvais pour vous? Hein? How? Ah, ah. J'ai vu ça. Écoutez-moi. Quand quelqu'un vous donne son téléphone, n'entrez pas dans les vidéos, d'accord? C'est pas bien du tout. C'est quoi votre problème? Et c'est mauvais pour vous. Allez à l'intérieur. Allez, 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 allez. Tu crois que tu peux venir chez grand-mère avec des bêtises? Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Oh, maman. T'es pas un gamin? Dans cette maison. Viens ici. Viens. T'es pas un gamin. Encore, ok. Encore, ferme le T'es pas un gamin. Vas-y, arrête-moi ce garçon. Attrape ce garçon. Dans cette maison, t'es pas un gamin. Tu n'es pas un enfant. Tu vas se le dire dans cette maison. Encore, ferme ce portail. Imagine. Ah, ah. Comment peut-il avoir des telles choses dans son téléphone? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce garçon. T'en fais pas, rien ne lui arrivera. Avec ce genre de choses dans son téléphone, hey. Maman, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose là-bas. Si Dieu ne s'occupe pas de lui, le diable va le prendre en charge. Va le chercher, va le chercher. Voilà comment tu éduques ton fils. Non, je l'éduque très bien, maman. Je lui demandais de bien fermer le portail. Fermer le portail. Qu'il ferme bien le portail. C'est comme ça que tu éduques un enfant. Non, maman. Un irresponsable. Je t'ai toujours dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour que lorsqu'il grandira, il ne s'éloigne pas. Il ne s'en éloignera pas. Oui, maman, c'est ce que je faisais. C'est dans Deutéronome. Je ne veux pas savoir où. Ok. C'est de la pratique dont je parle. Oh, oui, maman. C'est quoi ces bêtises? Et c'est incroyable. Comment peut-il avoir des choses pareilles sur son téléphone? Regarde ça. De toute façon, hey, je l'attends ici. Non, c'est mieux qu'il reste dehors. Hey. Quand il va finalement rentrer, il va me retrouver ici. Je serai là à l'attendre. Il n'est plus un gamin. On va voir ça ici. Sa mère ne fait pas du bon boulot. Sa mère ne fait pas du bon boulot. Ses enfants, on les éduque bien, mais ils font ce qu'ils veulent. Regarde ce qu'il avait dans son téléphone. C'est vrai. C'est pour cette raison que je ne laisse pas mes enfants avoir le téléphone du tout. Jamais. Je ne pourrai jamais leur acheter des téléphones. Ils vont commencer à travailler, ils vont acheter leur propre téléphone. Je ne peux pas leur donner de téléphone. S'il te plaît, ne prends pas ça mal, d'accord? Ok. Mm-hmm. Mais honnêtement, ce que tu fais n'est pas bien. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Et tu incites désespérément nos maris à divorcer de sa femme pour t'épouser. Excuse-moi, je ne me suis jamais intéressée à cet homme. Il est venu vers moi. Oui. Il est venu vers moi parce qu'il a vu ce qu'il voulait. Et j'ai accepté. Tu sais pourquoi? Parce que les sentiments étaient partagés. Et c'est ce que je dis. Et tu n'aurais pas dû lui donner une opportunité au vu des circonstances de tout cela. Même s'il veut divorcer de sa femme, laisse-le le faire avant de t'incruster dans le tableau. Tu es constamment en train de le presser de divorcer. Pourquoi ça? Waouh! Waouh! Je vois! Je peux voir à quel point tu es stupide! Je pensais que tu étais mon ami. Oui! Je savais! Je savais que tu étais jalouse de moi parce que je me suis trouvé un homme de mon choix. Natacha. Oui. Est-ce de ma faute si tu es incapable de te trouver un homme qui prendra bien soin de toi? Ou avoir un homme qui dépensera un centime sur toi? Natacha. Excuse-moi, je suis encore en train de parler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es venue chez moi pour me dire quoi faire? Sérieux? Attends, es-tu en train de me traiter de stupide parce que je te conseille en tant qu'amie? Oui, il y a autre chose derrière. Tu es plus que stupide et ça, je peux le jurer. Oh. Maintenant, écoute-moi. Félix est à moi. À moi, il restera. Et personne ne changera ce fait. Même pas toi. Maintenant, sors de ma maison. Dégage! Tu veux que je te pousse? Attends, attends. C'est ce que tu veux que je fasse? N'est-ce pas? Dégage. Ami jalouse, va-t'en! C'est compris. Ami jalouse. Je le savais. Ami de mon œil. Toujours en train de prétendre. Jalousie, jalousie, jalousie. Va-t'en d'ici. Regarde-la. Foutaise. Que je revends encore tes pieds ici. Ah ah. Qu'est-ce qui retient cette fille? Qui va là? C'est moi.
Angela. Ah, entre. Eh bien, j'espère que vous avez tous apprécié le repas. Oui, grand-mère. Le prochain article dans notre agenda est la messe d'action de grâce. Qui va le faire? Tina, peux-tu nous dire l'action de grâce? Pardon, grand-mère, laisse-moi dire la prière moi-même. Fermons les yeux et mettons-nous en prière. Père Céleste, nous te remercions pour ce mets délicieux que nous avons dégusté. Père Céleste, bénis-nous et bénis aussi ceux qui n'ont rien du tout. Père Céleste, je te remets ma femme entre tes mains. Père, donne-lui la sagesse d'organiser et gérer son foyer. Père éternel, elle me tourmente depuis très longtemps déjà. Ses raisons, je les ignore. Mais Dieu... Bien, Ekene, c'est quel genre de prière ça? C'est quel genre de prière stupide ça? Et tu oses la faire devant les enfants, c'est quoi ton problème? Tina, s'il te plaît, respecte-toi. Tina, s'il te plaît, calme-toi. C'est quoi ton problème? Maman, maman, tu vas bien? Je vais bien. Tout devient tout simplement plus clair. Vous savez, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Je veux dire, quelque chose de vraiment louche. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Tina, tu sais exactement de quoi je parle. Dorcas, qu'est-ce qui te donne le droit de fourrer ton nez dans les affaires des autres? Non, je veux savoir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as ce droit? Tina, s'il te plaît. Regarde. Non. Non, je ne me tairai pas. Regarde-toi. Tu marches partout, tête haute, comme si tu y avais la meilleure vie que les autres. Pourtant, à l'intérieur, tu pleures de douleur et de solitude. Oui, Tina, arrête ça. Que personne ne me parle. Regarde-toi. Tu marches tête haute comme si tu n'avais pas besoin d'un homme. Oh, je suis une femme forte. Oh, je suis une femme forte. À l'intérieur, je pleure de solitude. Tu crois que je l'ignore? C'est quoi ton problème, Tina? Vas-tu te taire? Tu ne dois pas parler à ta grande sœur de cette manière. Mais je ne fais que dire la vérité. Tu ne dis aucune vérité. Tu es très méchante. Pas comme elle. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu es méchante. Écoute, regarde Dorcas que voici. Elle a perdu son mari dans un accident mortel. Et elle l'a aimé jusqu'à la mort. Elle prend soin de sa famille. Prend soin de ses enfants. Et toi, tu es là à cracher des bêtises. Tina, s'il te plaît. Qui est cette chèvre qui ose me parler? Ça ne va pas bien dans ta tête, t'es malade? Les enfants, allez dans vos chambres, ok? Allez dans vos chambres. D'accord. Shuma, Barbare, qui t'a donné cette autorisation de t'adresser à moi? Vas-y, Barbare. Regarde-moi cette dévégondée qui a trompé son mari. Et tu crois que tu peux me parler? Est-ce que tu vas dégager d'ici, espèce de sale pétasse? Tina, c'est quoi ton problème? Allez, arrête! Pourquoi devrais-je arrêter? Parce que je suis silencieuse? C'est tout le monde qui pense avoir le droit de se mêler de mes affaires. Félix, ne me parle plus. S'il te plaît, ne me parle plus. Si tu me parles encore, tu vas écoper. Ne me parle plus. Encore un mot de ta part et je te donne une bonne gifle. Oh, vraiment? Je vais quand même dire ce que je pense. Vous êtes tous méchants. Arrête ça! Regarde-toi. Es-tu la seule à avoir perdu son mari? Es-tu la seule? Donc parce que tu as perdu ton mari, tu as le droit de fourrer ton nez dans les affaires des autres? Tu ne feras pas ça avec moi, tu es malade! Là, tu vas trop loin! Et toi, je vais te faire la peau! Je vais te faire la peau! Des idiots! C'est ce que vous êtes tous! Des idiots! Toi! Toi! Dégage! Idiot! Je me demande ce qu'on a mis dans le repas. Femme, ma carte, les filles, les filles, il y a le feu sur la montagne. Hey, qui l'a allumé? C'est madame et ses enfants. Ils se crêpent le chignon. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ceci a commencé quand Ekene a dit une prière
qui exposait sa femme, la façon dont elle le maltraite. Cette prière n'a pas du tout plu à Tina. Elle lui a coupé la parole. Dorcas a ensuite affirmé ses dires. Et Tina lui a répondu. Les insultes ont commencé. Et... c'est terrible. Et c'est dans cette maison que toutes ces catastrophes arrivent. Et ce n'est pas tout. Ah, tu es sérieuse? Oui, oh. Ce n'est pas tout. Tina a dit devant tout le monde que Lola avait trompé son mari. Écoutez, Jésus. À l'instant où je vous parle, Lola et Tina se sont levées et ont quitté la table. Juste à cause de ça, après toutes ces insultes, madame est très en colère. Elle est fâchée. Je comprends maintenant. Pourquoi madame Tina est très agressive depuis son arrivée. Je me demandais ce qu'on lui a fait. D'où elle a trompé. Quel que soit ce qui lui arrive, son mari n'est pas du tout content de ça. Une chose que je sais, c'est que madame sait comment régler les problèmes très bien. Faites-moi confiance. Maman va résoudre son problème, ça je le sais. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je sais que madame ne permettra jamais que ses enfants soient divisés. Mais attends un peu. Est-ce que c'est vrai que Lola a trompé son mari? Maintenant, tout devient un peu plus clair. Comment est-ce que tu sais? Maintenant, je connais la raison pour laquelle Félix veut divorcer de sa femme. Vraiment? Juste comme ça? Chimo! Hey. Et tout ceci se passe dans cette maison. Il y a... Hey, attendez. Ce problème, c'est leur affaire de famille, oh. Ce problème ne nous concerne pas. Makara, où étais-tu dans la nuit? Tu n'étais pas dans notre chambre là. Où étais-tu? Je ne te comprends pas, Oufom. On parle de maman et de ses enfants. Tu es là à me poser des bêtes questions. Bien sûr que j'étais dans la chambre. C'est faux. Toi là, tu peux mentir? Tu ne réfléchis même pas, tu mens seulement. N'est-ce pas, je me suis levée dans la nuit pour aller faire pipi. Je ne t'ai pas vue. Il n'y avait qu'elle et moi dans la chambre. Où étais-tu? Tu mens à qui? Ok. Maintenant, je me rappelle. J'étais à la cuisine pour boire de l'eau. Arrête de boire de l'eau dans la nuit. Tu n'es qu'une menteuse. Toi? Tu n'es qu'une menteuse. Tous ces jours-ci, tu montes et descends dans la nuit. Bim, 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 bim. Tes pieds, si tes gros pieds, si tes deux. Tu sais ce que tu cherches dans la nuit. Voyageuse de nuit, c'est ce que tu es. Parle maintenant, ou bien c'est de maman et ses enfants. Qu'est-ce qui vous arrive même? Cette fille de Makara. Pardon, laissez-moi tranquille. Elle sait mentir. Je continue à faire ce que je faisais. Elle sait mentir. Vous aimez trop les problèmes. Maintenant, elle est occupée. Vous aimez trop les problèmes. C'est toi qui s'es fait sécher les habits. Fais sécher les habits. Ta mère a fait pleurer ma mère et je ne lui pardonnerai pas ça. Mais c'est elle qui a commencé. Elle a d'abord provoqué ma mère. Parce qu'elle voulait seulement lui dire la vérité. Mais c'est vrai. Ta mère n'a pas de mari et toi tu n'as pas de père. Tu es folle? Ne me dis plus jamais ça. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a giflé. Elle a dit que je n'avais pas de père. Quoi? Destiny, pourquoi lui as-tu dit cela? C'est elle qui a commencé. Maintenant, demande-lui pardon pour lui avoir dit ça. Ne m'as-tu pas entendu? J'ai dit, demande-lui pardon de lui avoir dit ça. Je suis désolée. Non. Demande-lui pardon en le pensant vraiment, ok? Ce n'est pas comme ça. Demande-lui pardon sincèrement, ok? Je suis désolée. Bien. Très bien. Maintenant, écoute-moi. Ne lui dis plus jamais cela, d'accord? C'est une très mauvaise chose à dire à ta sœur, ok? Elle ne sera plus jamais ma grande sœur. Non. Je ne te permettrai pas de nourrir la haine dans ton cœur à cause des paroles malheureuses de ta mère. Chioma que voici est ta sœur et sera toujours ta sœur. Ok? Ok? Chioma, de grâce, pardonne-lui, ok? Et ne pensez pas vraiment à toutes ces méchantes paroles. Et n'oublie jamais que Destiny est ta petite cousine. Et je ne veux pas que tous les deux vous disputiez. Ok? Me suis-je fait comprendre?
Oui, monsieur. Bien. Maintenant, embrassez-vous. Hein? Allez-y. Bien. Très bien. Alors, j'ai quelque chose pour vous deux dans la chambre. Ok? Alors, on y va pour que je les vous donne. D'accord. Tu sais, ce que tu as fait là-bas était franchement mal. Je veux dire, comment as-tu pu parler à ta grande sœur de cette manière? Je suis désolée, maman. C'est évident que quelque chose t'embête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien. La relation entre ton mari et toi n'est plus du tout cordiale. Que se passe-t-il exactement? Je hais ce que je suis devenue, maman. Je ne suis plus la Tina que j'ai toujours été. Je ne comprends pas. Tina, de quoi est-ce que tu parles exactement? Maman, je suis en colère. Je suis en colère contre moi-même. Je suis en colère contre tous ceux qui m'entourent. Surtout la personne que je considère comme étant responsable du manque d'estime et de la confiance en moi. Attends, regarde-moi, maman. Je suis difforme. Le mariage m'a déjà tout arraché. C'est pour ça que je suis en colère contre lui. Je le blâme pour ce qui m'arrive maintenant. Tina, tu es toujours aussi belle. Et regarde-toi. Tu es toujours en colère contre ton mari. Parce que tu crois qu'il t'a enlevé ta beauté et t'a fait devenir difforme. C'est ce que tu te dis. Je veux dire, parfois, est-ce que tu t'entends parler? Je regrette mon physique de mannequin. Je regrette. Je regrette l'assurance que j'avais avant. Je regrette tout ça. Je regrette mon corps. Et tu crois que ton mari aussi? Je veux dire, a-t-il dit quoi que ce soit dans ce sens? Non. Il ne s'en est pas encore plein. Mais il n'a pas besoin de le faire. Je sais que c'est ce qu'il pense dans sa tête. Je sais que c'est ce qu'il y a dans sa tête. Je sais qu'un jour, il me le dira. Je sais que c'est à ça qu'il pense. Il n'a rien dans son cœur. Il ne te l'a pas dit. Et tu ne t'es pas gênée de lui demander. Imagine juste. Est-ce que tu connais ce dont rêvent toutes les femmes? La plupart des femmes rêvent d'avoir leur propre mari. Elles rêvent d'avoir des enfants et des foyers qu'elles vont contrôler et de tout gérer elles-mêmes. Mais toi, tu n'apprécies pas ce que tu as. J'apprécie, maman. C'est juste que je manque d'assurance au sujet de tout ça. Manque d'assurance. Laisse-moi te poser une question. Comment crois-tu que tes enfants se sentiront si jamais ils découvrent ce que tu ressens? De savoir que leur mère est fâchée de ne plus avoir une taille de guêpe parce que tu leur as donné la vie. Ok, laisse-moi dire ça en de meilleurs termes. Comment est-ce que tu te sentirais si quand je vous ai eu avec tes frères, je me plaignais du fait d'avoir perdu mon corps, d'avoir perdu ma beauté et tout ça? Comment te serais-tu senti de savoir que je ne vous ai jamais aimé? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, pense à ce que tes enfants ressentiraient s'ils apprennent que tu es si en colère parce que tu les as accouchés. Ce que tu as, plein de femmes là-dehors seront prêtes à le voler et te remplacer sans cligner des yeux. Alors, je voudrais que tu apprécies ce que Dieu t'a donné. Et pour finir, je crois que tu dois à Lola et à Dorcas des excuses.
selon mon point de vue, tu as totalement tort. Tu dois aller leur parler. Je sais que tu peux le faire. Tina, tu es plus forte que tu ne le crois. Ok? Sœurette, Lola. Je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit toutes les deux tout à l'heure. Je n'aurais pas dû laisser mes émotions prendre le dessus sur moi. Je suis vraiment désolée. Tina, c'est bon. Ok. De plus, tu avais raison dans ce que tu as dit. Non, non, non. Non, 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 pas du tout. Je n'avais pas raison d'employer ces horribles mots à votre égard. Donc, une fois de plus, grande sœur, Lola, je suis sincèrement désolée. De grâce, pardonnez-moi. Tina, ça va. Je n'aurais pas dû intervenir dans tes problèmes de famille. Tu es ma petite sœur et je n'ai absolument rien contre toi. Et viens dans mes bras. Alors, de quoi étiez-vous en train de parler? De quoi d'autre sommes-nous censés parler? Des radeaux. Je vous ai toutes convoquées, car il y a quelque chose de très important dont j'aimerais discuter avec vous. Oui, madame. Bien, désormais, ma belle-fille Lola est celle qui cuisinera tout ce qui sortira de cette cuisine. Oui, madame. Tous les petits mets, tout ce qui sortira de cette cuisine, qui est comestible, Lola s'en chargera. Oui, madame. Et j'attends de vous que vous lui donniez l'aide nécessaire qu'elle mérite, c'est compris? Oui, madame. Et une dernière chose. Ceci est censé rester un secret pour nous quatre. Oui, madame. Je ne voudrais pas que ça sorte de cette cuisine. Oui, madame. Tu sais, oui, maman. C'est un peu trop. Oui, madame. Oh, c'est pas vrai. Oh, de toute façon, j'en ai fini avec vous. Comme vous répondez comme les moutons. Je vais donc aller voir ce que font mes petits-enfants. Oui, madame. Oui, maman. Bon, continuez comme ça. Je vous laisse maintenant. Excusez-moi. Oui, madame. Oui, madame. N'importe quoi avec ces oui, maman. Est-ce que madame essaie de faire maintenant? Hein? Ouf, homme. Donc tu es incapable de voir l'évidence de tes propres yeux? Hein? Quel mur? Quelle est la main d'écriture sur le mur? Toi qui as les yeux pour lire. Vas-y, lis pour que j'écoute. Laissez-moi vous dire, vu que vous ne savez pas, madame essaye de réconcilier Lola et son mari. Grâce des grâces, ministre de la formation. Comment tu le sais? J'en suis plus que certaine. De plus, nous avons appris que Félix a arrêté de manger les repas de sa femme. Il ne partageait même plus le même lit avant de venir voir madame. Oui. Alors madame essaie d'utiliser le seul lien qu'elle sait capable de les maintenir ensemble. Et ce sont ses repas. Toi, tu sais tout, oh. Nous toutes, nous sommes dans cette maison, mais tu es la seule qui connaît tout. Tu sais que Félix ne mange pas la nourriture de sa femme. Tu sais que Félix et sa femme ne dorment pas dans le même lit. Tu sais beaucoup trop. Ok, c'est ce que maman est en train d'essayer de faire. Comment ça va les réconcilier? Hein? Comment est-ce que la nourriture va les réconcilier? Attendez un peu. Grâce, tu peux avoir raison, oh. Je pense que tu as raison, oh, Grâce. Il y a un peu de vérité dans ce que tu dis. Oui, mais qu'à cela ne tienne, tu restes la ministre de l'information. Il y a un peu de vérité dans ce que tu dis, oui. Ce n'est pas juste à cause du repas. Madame essaye vraiment de les réconcilier. Oui,
Et sachant comment madame est, elle va explorer toutes les solutions pour atteindre son objectif. Oui. Hey. La wow. Ah, grâce au courant de tout. Ok, oh. On a compris. Moi, je t'assure que j'ai compris. Tout ce qu'on va dire, je vais seulement regarder. C'est toi que j'écoute. Je vais regarder. Je dois partir. Tu sais que maman peut venir et elle ne manque pas de donner une gifle. Mon ami, dégage. Tu ne sais rien, je te dis un truc et tu ne sais même pas ce que maman regarde souvent. Dégage. T'es vraiment sérieuse? Oh, c'est ce que tu comptes faire? Allô? Je te rappelle, s'il te plaît. Comment tu es joyeux cet après-midi? Maman, n'est-ce pas une bonne chose d'être heureux? Ah, bien sûr que ça l'est. Ça me rappelle vraiment ce merveilleux jour où tu as amené Lola ici et pour la présenter comme la femme avec laquelle tu veux passer le reste de ta vie. Je veux dire, oh là là, c'était un jour si merveilleux. Mon fils unique avait enfin trouvé une fiancée. Ah, j'aurais aimé que ton père soit là pour expérimenter ce qui se passe. Maman, es-tu obligée de parler de Lola à chaque fois que nous avons une conversation? Mais bien sûr, je veux dire, elle est ta femme. Et ma merveilleuse belle-fille. Mais attends maman, je t'ai dit qu'on allait divorcer. Tu me l'as dit. Mais qui va te donner la permission, Félix? C'est définitivement impossible. Mais maman, je n'ai besoin de la permission de personne pour faire ce qui est bien pour moi. C'est ce que je veux, c'est ce qui va me rendre heureux. Oh. Il ne s'agit pas de ce qui va te rendre heureux, mais de ce qui va rendre tout le monde heureux. Et devine quoi, fiston? Tu ne divorceras pas d'elle. Lis sur mes lèvres. Jamais. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vois, cette histoire de divorce, c'est interdit dans cette famille. Je ne resterai pas là à te regarder détruire ton foyer. Mais maman, c'est elle qui nous a détruits. Elle a détruit ma confiance. Et tu es là à la soutenir pour avoir fait ça à ton fils unique. Mon fils unique qui a créé la plateforme de la trahison. Étais-tu souvent là pour elle? Non, réponds-moi. As-tu fait pour elle ce qui était nécessaire? Étais-tu souvent près d'elle pour la cajoler, lui tenir la main et pour finir? Est-ce que tu as rempli ton devoir en tant que chef de la maison? Ou ne réalises-tu pas que chaque femme a besoin d'amour et d'activité physique? Dois-je te faire un dessin? Oh, voyons, mon fils unique. Tu es la cause de tout ça. Si tu avais été là pour elle, nous ne serons pas ici à parler de ça toute la journée. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Cette femme pour laquelle tu veux divorcer de ta femme, est-elle mieux qu'elle? Et si jamais elle se retrouve dans ce même genre de situation, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle agira différemment, si ce n'est pire? Mon cher fils, un petit conseil. Mon cher fils, le démon qu'on connaît est encore mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Et ta fille est traumatisée. Maintenant, pense à tout ça. Pense-y en profondeur. Thank you.
suis là. Je t'attendais depuis. Où étais-tu? Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Je devais m'assurer que la voie est libre. Ok, pas de problème. Je te trouve très bonne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu un bruit à la porte. C'est comme s'il y a quelqu'un. Non, tu t'imagines juste des trucs. Je suis Continuons. Sérieuse. Personne n'a parlé. J'ai entendu quelqu'un parler. Ne sois pas distraite, viens là. C'est ce qu'elle fait. Je savais. Comment est-ce que cette fille a pu me mentir comme ça? Comment? Elle m'a dit que Olga Maxwell est mauvais. Maintenant, elle m'a menti et elle sort en douce fois aller voir Olga Maxwell. C'est quoi ça? Angela, c'est quoi ça? Dormeuse. Toi aussi, même si cette maison prend feu, tu seras toujours en train de dormir. Réveille-toi! Tout le monde va te laisser fuir et toi tu seras toujours en train de dormir. Réveille-toi! Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me réveilles à cette heure de la nuit? Où est Angela? Dans la chambre de Maxwell, c'est là-bas qu'elle est. Eh? Dans la chambre de Maxwell? Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre d'Oka Maxwell à cette heure de la nuit? Demande-moi. Grace, je t'assure que je suis très bête. Je suis très bête, Grace. Quand Olga Maxwell me traquait, elle est venue me dire « Refuse, refuse, il n'est pas bien. Maintenant, c'est elle qui se réveille toutes les nuits et va dans sa chambre. » C'est comme ça que je l'ai suivie. Elle pensait que nous étions tout endormis. Elle s'est réveillée et regardait partout, partout. C'est comme ça que je l'ai suivie. Petit à petit, je la suis. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la chambre d'Olga Maxwell. J'écoutais à la porte, il faisait, il criait, il faisait. Je suis bête. Ce truc me fait mal, ça me fait mal. J'étais là. Ah! Chimo. Je suis bête. Ce truc me fait mal, ça me fait mal. Est-ce que tu es sûre de ce que tu racontes? Attends, c'est une blague? Parle, je n'aime pas ce que tu fais, oh. Tu me vois rire? Eh, Grace, est-ce que tu me vois rire là? Donc, je vais te réveiller pour te dire ce genre de blague. Ah! Je ne blague pas, je suis sérieuse. Regarde comment je suis bête, je suis bête. Hé, hey, on aura tout vu dans ce monde. La même Angela qui est toujours en train de mal parler d'Olga Maxwell. Hé, hey, dans sa chambre, ils le font. Je les ai entendus. Ils faisaient. Ils sont encore là-bas? Oui. Et ils le font encore? Ce truc me fait mal. Allez, viens, on y va. Où est-ce que tu vas? Je vais voir ça de mes propres yeux. Tu as confirmé ce que je disais. Je jure, Dieu, je vais tuer cette fille. Ah. Qui fait ça? Comment peut-elle se comporter comme ça? Hein? On aura tout vu dans Me ce monde. Prends pour une folle. Je vais tuer cette fille. Ah. Ah. Bien. Calme-toi. Il se fait tard. Baisse d'un ton. Oh. Écoute, si tu veux mon avis, je suggère que nous fassions comme si on ne sait rien du tout. Oui. Faisons semblant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Comment ça, tu je blague? Plaisantes. Moi, au fond, faire semblant. Pourquoi non? Ah ah,
Je ne vais pas faire semblant. Je vais la... J'ai dit de te calmer. Baisse d'un ton. Ah. Pourquoi est-ce que ça t'énerve même autant? Toi et moi savons que c'est juste un jeu de hasard. Maxwell ne prend aucune d'entre nous au sérieux. C'est un fait. Je ne sais pas ce qu'il a bien pu dire à Angela, qui l'a poussé à succomber. Mais la vérité est que rien de bon ne sortira de cette relation. Oui, rien de bon. Hey. Je vais lui faire face. Moi, je vais lui faire face. Allez, ferme ta bouche. Je t'ai dit de faire semblant, jouons. Elle se joue de nous, jouons aussi avec elle. Restons tranquilles et voyons si elle va s'ouvrir et si nous dire. Et si elle ne dit rien? Et si elle ne dit rien? Et là, tu pourras lui parler. Je te soutiendrai, mais pour l'instant, restons calmes. Je dois partir maintenant. Vraiment? Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Toi aussi, tu m'as émerveillé. Merci. Alors, on ne doit pas nous attraper, tu sais. Ah, ok. Tu vas me manquer, viens là. Il faut vraiment que je parte. Ok. Reviens demain, ok? Ok. Attends, viens, ne sois pas en retard. D'accord. On se voit demain, ok? S'il te plaît, ne sois pas en retard. Oui. Cet idiot pense vraiment que je l'aime. Maxwell, tu es fort. Donc moi je vais abandonner ma poupée à cause de cette pute? Même pas en rêve. Putain, je suis le boss. Je serai toujours le boss. Oui. Angela. Angie, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Amalicha, jolie fille. Comment tu vas, hein? Depuis ce matin, tu fais tes travaux en étant toute contente, toute rayonnante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas le droit. Cette nuit, j'ai fait de très beaux rêves. Mais attends. Ah, pourquoi est-ce que tu es pressée c'est comme ça? Angela, s'il te plaît, jolie fille, allez, raconte-nous ton joli rêve, hein? Parce qu'on a toutes dormi dans le même lit, pas vrai? C'est vrai qu'on a toutes les trois dormi sur le même lit. Mais seulement mon sommeil à moi était spécial. Qu'est-ce que tu as gagné? Écoute, ne t'occupe pas d'elle. Raconte-nous simplement ta nuit spéciale, parce que toutes les deux, on aimerait expérimenter la même chose. Grâce. Tu as l'air très bizarre. Oui. Bien sûr qu'on a toutes les trois dormi sur le même lit. Et on s'est réveillés au même moment. Et ce qui compte, c'est que nous avons toutes eu des rêves différents. Et le mien était spécial. Faites-moi confiance quand je vous dis que le mien était spécial. Ah bon? Attends! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a fait dans ton très beau rêve là? Qu'est-ce qu'il y a fait dedans? Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Angela, s'il te plaît, arrête la comédie que tu es en train de faire. Arrête ça. Pour qui est-ce que tu nous prends? Tu penses que nous sommes stupides ou quoi? Pour ton information,
Ofam t'a vu sortir de la chambre en douce hier soir. Et elle t'a suivi et t'a vu entrer dans la chambre d'Oga Maxwell. Oui, elle a entendu tout ce que vous étiez en train de faire. Et j'ai également tout entendu. Alors s'il te plaît... Makara, toi... Toi, n'est-ce pas c'est toi qui m'as demandé de ne pas suivre? Que je ne suive pas Oga Maxwell? Hein? Comme je suis bête. Je suis tellement bête que je t'ai écouté. Hein? Maintenant, c'est toi qui suis Oga Maxwell. J'ai tout entendu. C'est toi qui pars dans la chambre de Oga Maxwell dans la nuit. C'est bien comme ça? Tu sais, ton père était un homme si adorable. Sérieux, j'ai une belle vie avec lui. Il était si aimant et si gentil. Oh mon Dieu. Oh, je me sens mal. Et quelqu'un est jalouse ici. Tu n'as pas à être jalouse. Ton mari est mort, oui, mais il a vécu une bonne vie. Trouve-toi un homme. C'est ce que je ne cesse de lui dire. Ah, maintenant je comprends pourquoi vous aviez toutes les deux joueuses. Ce comportement très bizarre. Oui. Je t'ai dit de ne pas l'accepter. Mais je ne t'ai pas demandé d'accepter ce que je t'ai dit. Angela. J'ai très bien joué mon rôle. Angela, tu es une mauvaise personne. J'espère pourquoi? Que tu l'as entendu. Tu es une très mauvaise personne. Pourquoi? Tu l'as entendu. Je suis la plus intelligente parmi pourquoi vous. Pourquoi est-ce que tu l'as découragée de jouir de ce dont toi, tu jouis chaque nuit? Est-ce pourquoi? Que je, est-ce que je l'ai forcée à accepter ce que j'ai dit? Et c'est pour ça que vous m'agressez. Regarde-toi. Tu n'as même regarde-moi pas regarde-moi cette fille. Je vais te montrer maintenant. Non. C'était quoi ça? Maman, si je ne me trompe pas, on dirait la voix de tes servantes. Je crois qu'elle se bagarre. Hé! Hey. Hey! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Désolée, madame. Désolée, madame. Comment ça, vous êtes désolée? Désolée, madame. Pouvez-vous me dire exactement ce qui se passe? Pourquoi ces actes indécents? Hein? Vous ne dites rien. Pourquoi vous ne dites rien? Pouvez-vous dire quelque chose? Que signifie tout ceci? Ma mère est là à vous poser de simples questions. Et vous répondez en vous pointant du doigt? C'est pas croyable. Voulez-vous tout perdre votre boulot? Non, s'il vous plaît, je ne veux pas perdre mon boulot. Dites à madame ce qui s'est passé. Parlez. Madame, c'est... Madame, j'ai utilisé le lait de toilette de Ofom sans sa permission. Tu as utilisé le lait de toilette d'Ofom? Pourquoi tu fais ça? Non, non, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, madame. Et c'est à cause d'un lait de toilette que vous êtes en train de vous quereller? Faisant autant de bruit et vous bagarrer? Je suis désolée, madame. Ofom a des problèmes de la peau. Elle utilise un lait de toilette particulier. J'ai pris son lait de toilette sans lui demander sa permission. Et je l'ai remplacé par un autre. Et quand elle a pris pour l'utiliser, elle a eu une allergie. Tu vois à quel point tu es méchante. Comment ton joli visage est tout le contraire de ton cœur? Tu es méchante. Pourquoi as-tu remplacé son lait de toilette avec celui qui lui donne de l'allergie? En passant, Ofom, combien coûte ton lait de toilette? 10 000 naira, madame. Tu as dit 10 000 naira? Ah, ah. Sur ce petit corps? Je ne peux pas y croire. En tout cas, Angela, je vais enlever 10 000 naira de ton salaire. Je l'utiliserai pour acheter le lait de lait de toilette pour Ofom. Merci beaucoup, attends, madame. Ça ne va plus arriver. Je suis désolée. Je suis désolée, madame. Que tu dois des excuses. Compris? Maintenant, vous allez m'arrêter cette bagarre. Je ne veux plus jamais voir cela dans cette maison. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, madame. Oui, madame. Stupide fille. Pardon, les filles. Allons-y. Peux-tu imaginer ça? Sur ce petit corps. Attends, sérieux? 10 000 naira? Ces filles sont incroyables. Elles dépensent l'argent sur des futilités. Hein? Kai, menteuse. Tu sais mentir. Seigneur. Elle sait mentir. Tu vois ta vie? Cette fille. 10 000 naira déduit de ton salaire. Il ne te reste que 40 000. C'est tellement agréable. À l'instant, j'aurais aimé être à la place d'Ofom. J'aurais aimé être à ta place. Toi aussi. Prends ça. Regarde-la. Cette fille s'est mentie. Oui, je vais te donner. Mais je ne vais pas te donner parce que tu m'as menacé. Je vais te donner parce que tu as coopéré. Et tu étais d'accord avec ce que je disais. Tu vas voir. Thank you.
J'ai besoin d'un plat, s'il te plaît. Angela. Oui, madame. Passe-moi un plat. Ok, madame. Désolée, madame, je suis désolée. Tu vas bien? Oui, madame. Angela, tu sembles distraite ces derniers jours. Est-ce que tu as un problème? Non, madame, je vais bien, madame. Es-tu sûre? Oui, madame. Et qu'est-ce qui est amusant? Rien, désolée, madame. Madame. Votre collègue est préoccupé et ça vous amuse. Désolée, madame. Nettoie-moi tout ça et apportez-moi un autre plat. Apportez-moi un autre plat. Oui, madame. Ah. Ce repas, il est super. Vraiment? C'est excellent, maman. Ta cuisinière, elle a vraiment élevé le niveau, maman. Oui. Oui, grand-mère, ce repas est vraiment délicieux. Il a un goût différent. Quelle épice a-t-elle utilisée? Je ne sais pas trop. Le plus important, c'est que le repas est délicieux. Bien. Respectons les manières à table, qui sont le silence pendant le repas. Puis-je dire un dernier truc, s'il te plaît? Quoi? Je veux partir avec ta cuisinière, dont tu vas devoir t'en trouver une autre maman. Tu adores sa cuisine? Eh bien, ce n'est pas un problème parce que... parce qu'elle est déjà un chef cuistot chez toi. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire... Lola, est-ce que tu aimes le repas? Grand-mère, le repas a le goût habituel. Je suis surprise que tu dises qu'il est différent. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce repas est super délicieux. Qu'est-ce que tu dis? Voyons. Eh bien, Félix, ce délicieux mais a été cuisiné par mon petit piment Yoruba. Oh, Félix, tu es là? Tranquille, je suis là. Comment ça va? Je vais bien, mec. Je veux que tu passes des moments difficiles. Tu sais, à cause de ma mère. Ta mère? Mm-hmm. Mais ta mère est une bonne femme, elle n'a rien fait de mal. Attends, tu te mets aussi à soutenir ma mère? Non, pas du tout. Mais d'après ce que je sais, ta mère fait ce qui est bien. Oui, c'est vrai. Et tu as de la chance de l'avoir comme mère. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de l'avoir en tant que belle-mère. Oui. Ouais. Et en passant, ta femme est un cordon bleu. Alors ça te dérange si je me joins à toi? Si tu veux. Ok, Grâce. Tu crois que ma mère et toi pouvaient me manipuler, n'est-ce pas? À quel jeu tu veux jouer? Félix, je ne sais pas ce que tu fais, mais il se fait déjà tard. Comment oses-tu? Tu n'as aucun droit de me dire qu'il se fait tard dans ma propre concession. Félix, tu me fais tuer. Espèce de fidèle, comment oses-tu?
te faisais confiance. Je t'aimais. Tu étais tout pour moi. Jusqu'à ce que tu amènes cet homme dans notre maison, sur notre lit conjugal. Commences-tu à me tromper? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas invité. J'ignore comment il a fait. J'ignore comment il a fait pour venir dans notre maison. Je suis désolée de l'avoir laissé me toucher comme ça. J'ai perdu la tête. Tu dis que tu es désolée? Tu crois que c'est facile? Je suis désolée. Tu crois que c'est facile? Désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Désolée. Qu'est-il passé? Chérie. Arrête un peu, je demande. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, pourquoi je suis nue? Comment ça, que s'est-il passé? Tu veux dire que tu ne te souviens de rien? Si je m'en souvenais, je ne te l'aurais pas demandé. Que s'est-il passé? Eh bien, tu es rentré hier soir et on a fait l'amour. Quoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je croyais qu'on avait aimé tous les deux. Aimé quoi? Attends, t'as profité de ma vulnérabilité et m'a incité à coucher avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Comment aurais-je pu t'exciter à faire ça? C'est toi qui es venu me voir. Parce que tu savais que j'étais saoul. En de circonstances normales, je ne l'aurais jamais fait. Tu es mon époux, pour l'amour de Dieu. Ton époux, mon œil. King, 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 he conquered all, yeah. King, 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 he conquered all, yeah. King, 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 he conquered all, yeah. Pousse-toi de là. Regarde-la. Et on peut savoir ce qui vous amuse? Pourquoi est-ce que vous riez comme des chèvres? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez quoi? Vous pouvez vous moquer de moi comme vous voulez. Mais je sais que bientôt, ça sera votre tour. N'importe quoi. Tata, ce n'est pas ce que tu voulais que tu as eu comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à madame? Tu sais mentir, oh. Menteuse. Regarde-toi comme tu es bien comme ça. De toutes les façons, merci pour ton mensonge, parce que ton mensonge là m'a donné de l'argent. Bien, mais c'est 5000 lira de plus. J'essaie. Rappelle-toi, 5 pour toi, 5 pour moi. Nous sommes ensemble là-dedans. J'ai oublié qu'on devait partager. Calme-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas oublié. C'est très important que tu mentionnes ça. Tu dois lui dire pour ne pas oublier. Attendez, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes contente que j'ai perdu mes 10 000 lira à cause de vous? Nous sommes tristes. Vous savez quoi? C'est bon. Pas de problème. Pas de problème. Mais je sais que bientôt, toutes les deux, vous allez vous retrouver dans une histoire pire que la mienne. Pardon, dégagez. Je refuse de faire ça, maman. S'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas faire ça?
Tu dois le faire. Maman, je ne veux pas. Tu dois participer. Grand-mère, je t'adore. J'aime ça. Je veux vraiment faire ça honnêtement. Je ne me souviens pas de la dernière fois que ma femme et moi avions passé un bon moment comme celui-ci. Comment ne vas-tu pas aimer ça? Comment ne vas-tu pas aimer ça? Une opportunité t'a été donnée de te faire voir. C'est évident que tu la saisisses. Je te connais. C'est le genre de choses que tu aimes. Bien sûr. Je le ferai avec joie. Et toi, Lola, qu'est-ce que tu as à dire? Grand-mère, je pense que c'est une super idée. Bien. Bien. Oh, pitié. Bien, grand-mère. Vu que les petits-enfants ne participeront pas à ce jeu et à tout ce que tu veux faire, je demande la permission de m'en aller. Maxwell. À plus tard, maman. Vas-tu te rasseoir avant que je ne te donne une baffle? Que tu en fasses partir au pas. Désolée, maman. Ça, c'est un moment en famille. Et tu dois être là. D'accord, maman. Respecte-toi. Maman, comme je te l'ai dit, sincèrement, je ne ferai pas ça, maman. Tu vas le faire. Tu le feras. Et si je refuse? Alors prépare-toi à emmener mon corps à la morgue ce soir. Ah. Non, grand-mère, on n'a pas à en arriver là. Maman, pourquoi tu dis des choses pareilles? Tonton Félix, s'il te plaît. Ne mêlons pas la mort à ça, ok? Je veux dire, t'as pas besoin d'utiliser ce genre de mots pour appuyer ton point de vue. C'est un mot très dangereux. Félix, ok. Vas-y, fais-le. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, maman. Même si c'est vrai que je te soutiens. Je te soutiens. Je te soutiens entièrement. Mais fais-le juste, pour l'amour de maman. Ok, d'accord. Je vais le faire. Mais sache que tu essaies de me faire chanter, maman. C'est ce que tu essaies de bien, faire. Eh bien, c'est ce que tu fais. Le chantage. Mais ça va, tu as réussi. Bon, tu as allez, maman, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Aller vers elle et faire quoi exactement? Oui, attends, je vais te dire quoi faire. Regarde-la d'abord dans les yeux, tu vois. Tu vois, d'une façon aimante. Et ensuite, tu vas vers elle. Tu lui tends la main. Tu dis son nom. Lola. Elle vient vers toi. Grand-mère! Grand-mère! Que se passe-t-il, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu m'évites? Laisse-moi tranquille. Tu sais que je t'aime beaucoup. Alors prouve-le. Prouve-moi que tu m'aimes. Mais comment veux-tu que je te le prouve, hein? Écoute, Maxwell. J'ai eu des problèmes à cause de toi. Ta grand-mère a déduit 10 000 naira de mon salaire. 10 000 naira, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ce n'est pas le bon moment pour commencer à t'expliquer tout ça. Tout ce que je veux, c'est mon argent que j'ai perdu. Si tu peux me le donner, je vais continuer à te voir. Bébé, écoute, 10 000 naira, ce n'est rien, hein? Je peux te les donner et encore plus. Tu veux dire que tu vas me donner de l'argent? Bien sûr. Pour de vrai? Tu ne me crois pas? Ok, viens merci. Là. J'espère que ça va maintenant. Ok. Oui. Alors fais-moi un câlin. Maxwell, arrête. On n'est plus cachés dans cette maison. Quelqu'un pourrait nous voir, s'il te plaît. Pars, je vais venir te voir après. Pars, allez. Pars, pars. Eh bien, ma chère famille, c'est un jeu très simple. Et il consiste à voir à quel point on est proche de nos partenaires. Vous voyez ce que je veux dire. Lola, qu'est-ce que tu fais là-bas? De grâce, viens ici. Tiens-toi près de ton homme. Tiens-toi près de ton homme. Tiens-toi près de ton homme. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais. Mais pourquoi est-ce que tu fronces le visage, Félix? Mais maman, t'as dit que tu voulais qu'on joue un jeu. Donc je t'écoute. Je prête attention à tout ce que tu as demandé qu'on fasse. Je n'aime pas le son de ta voix. Désolée, grand-mère. C'est Félix qui me fait tousser. Désolée. Oui, c'est bon. Je vais bien maintenant. Bon, je veux que vous couriez jusqu'à l'arbre en portant votre partenaire sur le dos.
les hommes portent les femmes. Vous touchez les arbres et vous revenez. Le premier couple à revenir ici aura quelque chose de spécial de grand-mère. Super! Bon, nous allons commencer, ok? À trois, on commence. Je commence. Un, deux, trois! We're doing it this time like a big family. So get together, let's celebrate. This can happen once in a while. It doesn't matter how we do it. We're gonna spend this holiday with God. Mais regardez-moi ce garçon. Je suis un homme. Je suis fort. C'est tout ce que tu sais dire. Yeah. Oh. Allez, allez-y aussi. Vous courez jusqu'à l'arbre. Vous faites le tour de l'arbre et vous revenez. Et si vous êtes premier, qu'est-ce que vous aurez? Quelque chose de spécial de... grand-mère! Allez-y! Oh là là! Personne n'a respecté. Seulement deux personnes ont fait le tour de l'arbre. Alors, ça ne compte pas. Une deuxième fois. Allez-y! Ok, c'est bon. Je reviens aux adultes maintenant. Une fois de plus, montrez-moi que vous êtes fort. Allez-y. Hey. Quand je vous disais que madame était en train de préparer quelque chose, vous étiez là à douter de moi. N'est-ce pas clair maintenant? Oui. Tu sais que c'est toi la sabitou dans cette maison. Tu sais tout ce qui se passe dans cette maison. Eh? Mais moi aussi, j'applaudis pour ma Mao. Mm-hmm. Elle a essayé. Cette femme a vraiment... Regarde comment elle a fait venir tout le monde ici. Elle a essayé. Mm-hmm. Elle est vraiment très forte. Quand vous allez terminer de faire vos ragots, vous me direz quel genre de réunion vous tenez ici. Bien, Okoro. Okoro, quel est ton nom encore? Okoro, c'est ça? C'est moi, le commandant. Qui t'a appelé ici? Qui t'a invité à cet endroit? Attends. Donc, je vais attendre. Moi, Okoro, le grand commandant chef des forces du portail, je vais attendre que vous m'invitiez à la réunion que vous tenez dans cette construction dans laquelle je suis, le commandant. Hein? Pardon. Je ressemble à une commère à tes yeux. Hein? Toi, c'est qui? Qui t'a dit qu'on fait le yong ici, là? Ok, attendez. Hein? Si vous ne faisiez pas vos gnon, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Hein? Écoutez, j'espère que c'est pas de moi que vous êtes venu parler ici. Qui parle de toi? Qui? Je ne te blâme même pas. Tu vas me blâmer? J'ai tout mon temps aujourd'hui. Tu sais? Toi. Quand je te dis que tu es un momo, tu ne me crois pas. Pas seulement un momo. Un gros momo, tu ne me crois pas. Écoute, arrête de m'insulter. Regarde-toi. Ne m'insulte plus jamais dans cette maison, tu me comprends? Je suis ton égal. Un grand Okoro. Écoute, fais attention, d'accord? Toi. Oui, toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tes collègues, tes copines sont parties. Vous vous êtes disputés? Si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le-moi maintenant. Et en quoi est-ce que ça te concerne? Hein? Ah, mais bon, ministre de l'Information. En quoi est-ce que ça te concerne? Ce sont mes affaires. Si tu ne le savais pas, alors sache maintenant. Si tu ne le savais pas, vraiment, écoute, sache maintenant. Tout ce qui se passe dans cette maison me concerne. Ce sont mes affaires, parce que c'est le seul commandant ici. C'est moi le grand. Pardon, dégage. Espèce d'imbécile. Regardez-les. Regardez-les. On dit que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Maintenant que la lumière est venue, les ténèbres sont parties. Regardez-les. Croyez-moi, vous n'êtes que de simples boniches. Ezos me parlait, moi le grand commandant. Vous et moi dans cette maison.
des grands super mais s'appelle Félix. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il? Non, ce n'est pas possible, ça. Trust me, I don't do it. Oh yes, I'm tempted, but I did not let it happen. But I'm sorry. Please forgive me. I don't know what I was doing. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Madame la fugueuse, dont tu veux un calé dans la chambre de ce garçon, n'est-ce pas? Hmm? La fugueuse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais exactement de quoi on parle. Angela, arrête ça. Tu sais exactement de quoi est-ce qu'on parle. Nous savons toutes que tu es en train de filer en douce dans la chambre de Maxwell. Oui. C'est là-bas que tu es en train d'aller comme ça. Bien. Mon problème, c'est que j'espère que tu as de l'argent. J'espère que tu réfléchis pour nous donner 6 000 naira de ton salaire. Ou tu acceptes qu'on aille dire à madame. Au fond. Attends, attends. Tu es en train de me menacer. Regarde-moi, oh. Qui m'a donné la force pour te menacer? Menace? Tu m'as entendu menacer quelqu'un? Hein? Pas du tout. Bien. Jamais. Ouais. Vous savez quoi? Je n'ai pas le temps pour des commères comme vous. Oh, wow. Quelqu'un se retrouve. Tu ne sors plus? Thank you.
s'est passé hier soir? Pourquoi n'es-tu pas venue? Je suis désolée, je ne pouvais pas venir. Tu es désolée? Tu sais ce que tu m'as fait? Hein? J'ai dit que je suis désolée. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que je parle? Tu m'as fait prendre en excitant pour t'attendre et tu n'es pas venue. Tu m'as tellement déçue. Écoute, ce n'était pas de ma faute, ok? Mes collègues m'ont menacé de m'estorquer plus d'argent. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Plus d'argent? Ne t'ai-je pas promis de l'argent? Je ne peux pas comprendre. Écoute, la seule chose à comprendre ici, c'est que tu m'as fait attendre toute la nuit. Je ne te le pardonnerai pas, ok? Mais je t'ai dit que j'étais désolée. C'est pour toi que tu es désolée, ok? Désolée pour toi! Ah, dégage! Ok, ok, attends. Quoi? Qu'en est-il de l'argent que tu m'as promis? Tu es vraiment stupide. Ah, ce visage m'est familier. C'est une actrice. Oh, vraiment? Ah, c'est ça son nom? Je crois. Ah, oui. Tu as raison. Ah. Maxwell? Maman. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, maman. Alors? Maxwell, tu es sûr que tout va bien? Excuse-moi, maman. Tu es sûr que ça va? Maxwell! Maxwell! Qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère? Je ne sais pas, maman. Il est comme ça depuis le matin. Vraiment? Et tu ne me l'as pas dit? J'ai oublié. Tu ne l'as pas vu avoir de problème avec quelqu'un? Non, maman. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ton frère ne peut pas avoir cette humeur toute une journée. Peu importe, je vais régler ça plus tard. Alors. Grace, tu as fini de cuisiner? J'ai faim. C'est quel mon plat? C'est quel mon plat? Attends d'abord. Inutile de te presser. J'ai très faim. Thank you.
Madame, pardon, c'est je quoi m'excuse. Ça pardon, pardon, je ne sais pas comment c'est venu. Dégage de ma vue. Sors d'ici, dégage. Mais qu'est-ce que c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Mon Dieu, ça sent plus qu'un œuf pourri. Cette fille a besoin de délivrance. Qu'a-t-elle pu bien manger? Oh, femme, j'espère que ça ne me tuera pas ce soir. Ça sent vraiment très mauvais. Dorcas, apporte du déodorant. Sors de là. J'arrive. Non. Hey. Cette sorcière de calabar. Oh. Hey. Pardon, pardon, Sorbito. Je vais encore aller chier. Hey. Je sais, Natacha. Je sais, je suis vraiment désolé. Ok? Je suis vraiment désolé. Mais je pense qu'on devrait se donner un peu plus de temps. Je ne pense pas que ça va marcher. Félix. Félix, tu vas bien? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Es-tu en train de changer d'avis quant au divorce? Écoute, il s'est passé un truc, ok? Dont j'ai vraiment besoin de temps pour essayer de régler tout ce qui se passe. Je n'arrive vraiment pas à croire que tout ça sorte de ta bouche. Attends. Elle t'a convaincu d'y renoncer? Tu changes d'avis à cause d'elle? Et tu sais très bien que je t'aime. Tu sais que j'ai attendu si longtemps pour ça, Félix. Pourquoi? Pourquoi changes-tu d'avis? Les sentiments étaient mutuels jusqu'à ce que... Jusqu'à quoi? Mais quelle excuse as-tu à me donner? Qu'elle a versé une potion d'amour dans ton repas? C'est pour ça que tu veux changer d'avis? Je suis sûre que c'est ta mère. Ta saleté de mère t'a convaincue à faire ça. T'as-t-elle manipulé dans ça? Écoute, ne mêle pas ma mère dans tout ça, ok?
En fait, c'est une décision personnelle. Ok, permets-moi d'être plus clair avec toi. Je sais que j'ai eu des différends avec mon épouse. Et en fait, j'ai réalisé que le divorce n'est pas la meilleure solution. Donc, actuellement, nous essayons de recoller les morceaux. Je suis vraiment désolé. Un instant, Félix, non. Non, tu peux pas être en train de me dire ça. Tu sais bien que je t'aime, Félix. Félix, ne coupe pas cet appel. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Félix! Pourquoi Félix m'a-t-il fait ça? Ce que je viens d'entendre peut-il être vrai? Ne veut-il plus demander le divorce? Oh mon Dieu! S'il te plaît, aide-moi. J'aime tellement mon mari. Je ne veux surtout pas le perdre. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Hein? Qu'est-ce qui a causé cette diarrhée? C'est nous qui devrions te demander ce qui s'est passé avec la nourriture. N'es-tu pas la cuisinière? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ah! Ça veut dire que tu dois nous dire ce qui nous arrive. Vu que c'est toi qui as cuisiné le repas. Grâce, qu'est-ce que tu as utilisé pour la cuisine d'aujourd'hui? Quelque chose ne tourne pas rond quelque part, oh. Bien. Attends, au fond, est-ce que tu es en train de dire que j'ai mis quelque chose dans la nourriture? Est-ce que c'est ça que tu insinues? Ok, attends. Et même si j'avais mis quelque chose dans la nourriture, pourquoi est-ce que j'en aurais mis aussi dans mon plat? Pour m'affecter également. Grâce, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de dire que nous devons dire la vérité. Hein? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Où tu me vois assise ici là? Je n'ai même plus un peu de force dans moi. Hein? Dans mes fesses, c'est comme si on avait mis le piment d'alligator là dedans. Ça me fait mal! N'est-ce pas, c'est la nourriture qu'on a servi à tout le monde ici, que nous trois nous avons mangé. Pourquoi il n'y a que nous trois qui nous retrouvons dans cette condition maintenant? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle rigole? Pourquoi est-ce que tu ris comme si tu étais mieux que nous? Nous n'étions pas trois dans ces toilettes? Ma sœur, je sais que je ne suis pas mieux placée pour parler, mais la façon dont tu interprètes ça, ça fait trop rire. La vie. Hey. Dorcas. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il me manque. Mon
mari me manque. Maman, regarde comment mes frères sont heureux avec leur conjoint. J'ai fini par réaliser à quel point je me sens seule depuis tout ce temps. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Je comprends la douleur que tu endures. Mais tu es forte. Je sais que tu es une femme très forte. Mon prémisse. Mais comme je te l'ai toujours dit, tu es encore assez jeune pour trouver le bonheur. Beaucoup d'hommes te courent après, mais tu ne leur accordes pas une chance. Maman, c'est parce que je suis confuse. Je ne sais pas si je saurais m'y prendre. Tenant compte de comment mes enfants se sentiront. Et de ce que dira la société concernant cela. Oh, voyons, Dorcas. La société. Mais qui se soucie de la société? Et qu'en est-il de tes enfants? Ils ont tous grandi. Tous grandi. Tu ne leur dois aucune explication. Tu ne dois non plus à la société aucune explication. Ce que tu dois à toi-même, c'est ton bonheur. Donne-toi une chance de respirer et de vivre à nouveau. Maman, tu vois la façon qu'ils s'amusent là d'ailleurs, ça m'a brisé le cœur. Ça ne doit pas te briser le cœur. Va à l'extérieur, trouve quelqu'un et tombe amoureuse. D'accord? Maman, tu me connais. Tu sais que j'aime les hommes noirs et... Et quoi? Et beau. Mais il y a plein d'hommes là-dehors. Si je me souviens bien, il y a un beau jeune homme qui est venu. Il est noir et très beau. Il s'appelle... je ne sais pas si c'est Christopher ou Christian, je ne sais plus. On l'appelle CJ. Il y a plein d'hommes là-dehors. Les mignons, les grands de taille. Alors, vas-y. Oh, maman. Fais ton choix, mais ne commets pas d'erreur. D'accord? Je vais essayer. Je te promets que je vais essayer. Super. Maintenant, cesse de pleurer. Merci. Si je n'étais pas si vieille, je chercherais probablement quelqu'un pour moi aussi. Maman. Junior, lâche ça, je vais te battre. Je suis venue ici avant toi. Lâche ça. Lâche ça, je te dis. Non, j'étais là avant toi. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis venue ici avant toi. Pourquoi tu prends non, ça? Non, j'étais là avant toi. C'est faux. Je suis venue ici avant toi et je veux regarder mes comédies. Mais moi, je veux regarder du football. Je ne vais pas te donner cette télécommande. Donne-la-moi. Je ne vais pas te la donner. Donne-la-moi. Je ne vais pas te la donner. Donne. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Grand-mère, princesse refuse de me laisser regarder le football. Grand-mère, j'étais ici avant lui. C'est du malchance, j'étais là avant elle. Oh, pitié. Combien de fois vous ai-je dit, les enfants, de ne pas vous disputer dans la maison de grand-mère? Vous l'ai-je dit oui ou non? Alors pourquoi vous disputez-vous? Voyons, Junior, tu es un grand garçon. Bon, un grand petit garçon. Ton père ne t'a-t-il pas appris que tu dois être gentil avec les filles? Non. C'est vrai, ça? Eh bien, ton père n'a pas bien agi, là. Tu es censé être gentil envers les filles. D'accord? Prends bien soin d'elles. Ça fait de toi un grand homme, d'accord? Oui. Oui. Et toi? Grand-mère, j'étais ici avant lui et je vais regarder mes comédies. Oh, voyons. Donne-moi la télécommande. Puis-je m'asseoir entre vous deux? Merci. Bon, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Il ne doit pas avoir de disputes entre les membres d'une famille. Tout ce qu'il doit y avoir, c'est l'amour. On apprend à se connaître les uns les autres et on apprend à se sacrifier les uns pour les autres. Écoutez, il viendra un temps où vous sacrifierez quelque chose pour l'intérêt de quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est ça qu'on appelle l'amour. Tout ce que je prêche ici, c'est l'amour, l'amour, l'amour. On le répand partout. Et il n'y aura pas de disputes, pas de rancœur, pas de malentendus. Ok? Oui, grand-mère. Alors, qui est-ce qui se sent prêt à abandonner sa chaîne pour l'autre personne? Tu peux la donner à Junior. Oh, vraiment? Oui, grand-mère. Tu en es sûre? Donne-le, princesse. Je te
donner la télécommande. Tu peux regarder ce que tu veux. Non, non toi, toi, prends-la. Bon, regardez ce que vous faites à grand-mère. Où vais-je? À droite, à gauche, à droite. Oh, très bien. Vu que personne ne veut rien regarder, je crois que grand-mère va regarder sa chaîne, d'accord? Oui, grand-mère. Et devinez ce que c'est. Quoi? Comment paraître plus jeune? Elle veut bien regarder ça. Oui, grand-mère. Ok, on se détend. Ah, et voilà. Viens, 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 viens là. Et toi aussi, viens là. Ah, regardez-moi ça. Que des vieux partout. N'est-ce pas? Eh bien, moi aussi, je veux paraître plus jeune comme vous. Je serai vraiment belle, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Ah. Je t'aime, grand-mère. Moi, princesse, je t'aime. Je t'adore. Je vous aime tous les deux. Salut, beauté. Pourquoi regardes-tu ailleurs? C'est à toi que je parle. Tu vas bien? Hein? Oga, qu'est-ce que vous voulez de moi maintenant? Hein? Je suis là pour te donner une seconde chance. Hmm? Allez, viens. Ne sois pas surprise, hein? Je suis un homme généreux, tu sais? Je ne suis pas avare non plus. Hein? D'ailleurs, tu es la première que j'ai draguée avant que tu ne me rejettes. C'est ça qui m'a fait aller vers l'une de tes collègues. Angela, hein? Mais ce n'est qu'une relation passagère, hein? Tu es de loin mon meilleur choix et c'est toi que je veux. Ouais. Orga, pardon, je ne suis pas du tout intéressée. Ah ah, vous avez fait avec Makara. Maintenant moi, laissez-moi pardon s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es normal, tu veux encore me rejeter? Tu sais même ce que tu fais? Orga... Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas faire ça. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Hein? Laissez-moi tranquille. Attends, ne me dis pas que tu me rejettes à nouveau. Je te donne l'opportunité d'être avec moi. C'est quoi ton problème? Ne vous fâchez pas si vous n'aimez pas ma réponse. Pardonnez-moi, mais laissez-moi tranquille. Ah, viens, viens là. C'est quoi ça? Laissez-moi. Je vais vous faire mal ici. C'est quoi, non? Viens, c'est entre nous. Laissez-moi tranquille. Mais c'est quoi son problème à celle-là? Putain! Maxwell, moi je vais dire, Maxwell. Hey, ne garde pas ton truc là en place. Ne garde pas ton petit truc là dans ton caleçon. Utilise ça pour chercher les problèmes. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entends pas? Oh. Ah. Angela, qu'est-ce que tu as? Ah. Angela, c'est à toi que je m'adresse. Que se passe-t-il? Ah. Quelqu'un est-il décédé? Angela, c'est moi qui te parle, moi. Okoro, grand commandant en chef des forts du portail. Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. Allez, parle-moi, je verrai comment arranger ça. Ah. Écoute, c'est bien à toi que je parle. Écoute, prends ton temps et pleure comme tu veux, d'accord? Voilà, quand tu finis de pleurer et que tu seras calme, viens me voir.
Je sais quoi faire. Tu connais ma force de frappe. Je suis le commandant, hein. Ça ira. Du courage. Courage. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir? Comment je peux savoir? Hein? Ce que je sais, c'est que quelque chose la dérange. Oui. L'autre jour, quand j'ai fui pour venir ici, je ne savais pas qu'elle était dans les toilettes. Oh. J'étais assise là à parler. C'est comme ça qu'elle est venue. S'est placée là-bas et a commencé à être faible. Après, elle a commencé à vomir et courir dans les toilettes. Vomir? Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Reine des pensées. À quoi penses-tu? Je pense que peut-être elle est enceinte. Ah! Arrête. Bombarambo. Ne parle plus comme ça, pardon. Ah! Hein? Pourquoi est-ce que tu cries? Ah! C'est dans ton corps. Parce que tu ne sais pas comment ça sonne. Sainte ou quoi? C'est toi qui l'as enceinte? Je ne suis pas là. Quand elle sortait en douce de cette chambre, tu ne voyais pas? Ah, ah. Mes yeux ne voient pas ce que tu vois. Mes yeux voient pour moi. Toi, tu vois pour toi. Laisse-moi haut. Grace! Madame t'appelle. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as amené ici pour me montrer la façon dont tu pleures, hein? Parle! Je suis enceinte. Tu es quoi, enceinte? De qui? Que veux-tu dire par enceinte de qui? Je suis enceinte de toi. Tu es folle. Je ressemble à quelqu'un à qui tu peux faire ce genre de blague, hein? Comment ça, de moi? Écoute, j'ai fait un test de grossesse. Et ça a confirmé que je suis enceinte. Je suis enceinte de toi. Mon nom s'est-il affiché sur ce test ou ton machin truc là? Hein? Maxwell, arrête avec tout ce que tu es en train de raconter. Tu es l'auteur de ma grossesse. Tu es le seul homme avec lequel j'ai couché ces dernières semaines. Tu es le père de ce bébé. Chut. Tais-toi, ferme ta bouche. Hein? Tu ferais mieux de te débarrasser de cette merde que tu as dans ton ventre. Parce que je n'ai rien à voir avec ça. Maxwell. Écoute, je ne peux pas être mêlé à ça, ce n'est pas possible. Je peux pas. Mais non, tu as dit non, que non. Tu m'aimais. Ah, écoute-moi bien. Si jamais j'entends mon nom, si tu mentionnes mon nom dans ta petite bouche, hein, je vais te tuer. J'ai prévenu. Non, non. Mon Dieu, je suis finie. Maxwell, reviens ici. Maman. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, maman. Maxwell, est-ce que tu es sûr que ça va? Bien sûr, maman, je vais bien. Je t'assure, je n'ai aucun problème. Ça, je l'espère vraiment. Ça va. Je vais bien, ok? Alors, tu ne veux pas voir un film avec moi? Oh. Je te reviens, maman. Je dois y aller maintenant. D'accord. Tu peux partir. D'accord, maman. Rassure-toi juste de prendre soin de toi, d'accord? Dans quoi me suis-je mis là? Comment vais-je résoudre ça maintenant? Non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, non. Comment vais-je faire pour sortir de la maison de ma mère? Hein? J'espère que cette fille fermera sa bouche et ne divulguera pas tout. Ah, putain! Non, que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Hey, pourquoi tu pleures maintenant? Hein? Regarde-toi maintenant. Hein? Regarde. Parce que tu es enceinte, tu viens demander notre aide. Quand nous étions toutes les trois dans cette chambre, dans la nuit, tu te faufilais partout. Non, regarde-toi, assise là-bas à pleurer. Tu veux qu'on te suive et qu'on pleure avec toi? Je suis désolée. Je suis désolée, s'il vous plaît, aidez-moi. Enfin, elle a dit qu'elle était désolée. Elle est désolée. Ce n'est pas le bon moment pour lui faire des reproches. S'il te plaît. Trouvons une solution pour elle. Grâce, ce n'est pas moi. Oh. Ce n'est pas moi qui l'ai enceinte. Je ne peux pas l'appeler Olga Maxwell, le prier pour qu'il vienne l'apprendre. De toute façon, tu pleures ici comme ça. Est-ce que tu sais que ce week-end, tous, y compris Olga Maxwell, vont repartir? Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Arrête de pleurer. Écoute, c'est pour cela que tu dois dire la vérité à madame. Tu dois tout dire à madame, hein? Oui. Grâce, tu veux qu'on se confesse? Mais bien sûr. Makara, tu vas pouvoir? Tu dois tout dire à madame. Et également, à cause du bon vieux temps, nous devons la soutenir. Hey. On doit la soutenir, oui. Hey. On va témoigner qu'on était tout au courant de sa relation avec Olga Maxwell. Est-ce que tu veux l'abandonner comme ça? Hey. Ça va aller, toi aussi arrête de pleurer. Quand tu le faisais, est-ce que tu pleurais? Quand elle se faufilait, elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle se faufilait dehors, elle se faufilait dehors. Je ne te voyais pas, je te faufilais dehors. Maintenant, elle veut que tout le monde mette sa bouche. Tu parles trop. Pourquoi? Tu parles trop, tais-toi. J'ai convoqué cette réunion pour une annonce très très importante. Supposons qu'on sait tous la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Mais je vais quand même annoncer la nouvelle. Lola et moi avons décidé de ne plus divorcer. Oui. Wow. Oh, merci Seigneur. Écoutez, j'étais blessée tout ce temps. Le déroulement des événements n'était alors là pas du tout facile à digérer. Mais je dois admettre que je suis en partie la cause du malentendu qui est arrivé. En fait, je n'ai vraiment pas été un bon mari. J'ai été égoïste pendant très longtemps. J'ai été égocentrique. Je veux dire, mon égocentrisme a causé ce qui est arrivé. C'est la meilleure des épouses. C'est la meilleure mère pour notre magnifique princesse. Elle me rend tellement heureux. C'est inutile de la laisser partir. Et attends, maman. Merci de ne m'avoir pas laissé prendre la mauvaise voie. Merci d'avoir été là pour ma famille, malgré tout ce qui s'est passé, maman. Tu es la meilleure maman du monde entier. Je t'aime, maman. Je t'aime encore plus. Tu es le meilleur fils au monde. Tout le monde ne peut pas s'en vanter. Merci de m'avoir écouté. Waouh, qu'est-ce que c'est mignon. Mais permets-moi de voler ton moment, juste pour un instant. J'ai épousé le meilleur mari de la Terre. Il est si patient et... C'est l'un des maris les plus respectueux qui puisse exister sur cette terre. Malgré mes défauts, il m'a énormément supportée.
J'aurais pu le perdre. Et alors, j'aurais tout perdu à cause de ma stupidité et de mon égocentrisme. En fait, je ne pense qu'à moi. Et je ne pensais même pas à mes magnifiques, mes adorables, mes magnifiques enfants avec lesquels Dieu m'a béni. Parce que, comme d'habitude, je poursuivais des ombres. Mais Dieu merci, maman. Maman m'a permis de voir les choses telles qu'elles sont. Elle m'a remis sur le chemin. Merci beaucoup, maman. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Merci. Mon amour. Je suis désolée pour toutes les humiliations que j'ai dû te faire endurer. Et je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Jamais plus. C'est d'accord. C'est bon. C'est tellement beau. Pourquoi pleures-tu, mamie? Regarde ma bébé. Famille. Ah, maman, s'il te plaît, voilà la chose dont j'ai toujours rêvé. Voilà ce que j'aime. L'amour, la paix. Et mes petits-enfants. Tous absolument parfaits. Des êtres humains parfaits, c'est ce que vous êtes tous. Et je vous apprécie, vraiment chacun d'entre vous, pour l'amour et la tolérance que nous partageons tous. Je sais que votre père, où qu'il soit, serait heureux. Et si jamais je meurs demain, je suis sûre que mon âme reposera en paix. Ah. Oh, non, mamie, maman, tu ne parles pas comme ça. Tu sais que nous t'aimons beaucoup. Je vous aime aussi. Merci infiniment. Merci. Merci. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi tu pleures? Tu as cassé quelque chose. Je suis désolée. Mais désolée de quoi? Mais que se passe-t-il, Dorcas? Est-ce que tu vas parler? Madame. Oui. Je suis désolée. De quoi es-tu désolée? Vas-tu dire quelque chose? Madame, je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit qu'elle est enceinte. Tu es enceinte? tu es enceinte et sous mon toit? Oh mon Dieu. Bon. Qui t'a mise enceinte? Qui t'a mise enceinte? C'est lui l'auteur de ma grossesse. Quoi? Est-ce que tu peux répéter? Moi? C'est quoi ces conneries que tu racontes? Maman? Grand-mère? Comment puis-je me rabaisser au niveau de cette chose? Es-tu malade? Vas-tu la fermer? Maman, je ne sais pas de Max, quoi c'est l'entendre parler. Tais-toi d'abord. Mais la ferme. Tais-toi. C'est bon, tais-toi. Je te fais confiance, je sais ce que tu peux faire. Tu me connais, maman. Je te fais confiance, je te connais, d'accord? Et que veux-tu dire? Pars te rabaisser. N'est-elle pas un être humain? N'est-elle pas jolie? Vous deux, vous pouvez confirmer ce qu'elle dit. Parlez! Madame, je ne sais pas s'il est vraiment responsable de sa grossesse. Mais depuis qu'il est arrivé ici, il couche avec elle. Quoi? Madame, c'est vrai, oh. Elle ne dort pas dans notre chambre. C'est comme ça qu'elle se faufile toutes les nuits. Elle ne dort pas. Tais-toi! Et vous n'avez pas jugé bon de m'informer? Désolée, madame. Désolée, madame. Vous l'avez gardée pour vous. Grand-mère, n'écoutez pas ces menteuses. Tais-toi! Ne croyez pas en tout ce qu'elles disent. Si j'entends encore ta voix, je vais te siffler très mal. Tu es malade?
ces bêtises se passaient sous mon toit. Et moi, j'étais là à féliciter ma famille sans savoir que mon toit fuyait. Eh bien, Maxwell, tu as toujours proclamé être un homme. Maintenant, tu as un enfant en route. On te considérera comme le père jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'il soit confirmé qu'il n'est pas de toi. Bienvenue, futur papa. Tu sais quoi? Il y a un proverbe qui dit: on récolte ce qu'on sème. Commence à garder l'argent pour les couches. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Holding.